Salut les gamers! Comment ça va? Comment ça va-t-il? Waouh, il y a du monde! Incroyable! Salut Marcelop, salut Wawa, salut Grevious, salut Ténèbres, salut Alexandapi, salut Redtox, d'ailleurs Redtox, tant qu'on est là. Redtox, c'est un peu notre petit Vartak. Hein. Redtox, casse-toi! T'as pas 2 millions sur YouTube. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait, les présentations sont faites. Salut Poulpe, salut Attentissium, salut Samy, je crois que j'ai vu tout le monde, si, salut Cosmic! Qui c'est que je veux? Salut Papy aussi. Ouais, il y a du monde quand même aujourd'hui, incroyable. Salut Evo. Et je crois que j'ai vu tout le monde. Ça date de quand ça? Je sais plus. Je crois que c'était la. À la cité, il me semble, hein. Redtox, casse-toi. T'as pas 2 millions sur YouTube. Il y avait ça aussi que j'avais bien aimé. Puis bon, pour avoir des voitures, tu regardes le périph', c'est pareil. Hein. Quand t'étais pas là parce que tu regardais la F1. Puis bon, pour avoir des voitures, tu regardes le périph', c'est pareil. Hein. Ah là là, c'est honteux. C'est chez 4. Car tout l'annoncer. Ouais, annoncer vite fait, vite fait, vite fait. Vite fait, vite fait. Salut à tous, c'est Fanta. Ça parle mal, mais oui, t'as vu ça? Incroyable, incroyable. Bref, du coup aujourd'hui on va se lancer dans une nouvelle aventure spéciale Twitch, comme je vous avais annoncé hier lors de l'UHC Random. Une aventure sur Minecraft et plus particulièrement en hardcore, c'est-à-dire que j'ai qu'une seule vie, donc si je meurs, c'est la fin de l'aventure. On va essayer de vivre plus longtemps que Redtox, voilà, ça sera un petit peu le fil rouge, et puis on essaiera aussi de faire quelques défis, jouer un petit peu. De toute façon, le principe, c'est juste vraiment de jouer à Minecraft, explorer un peu les nouveautés des caves en 1.18, et globalement, c'est tout. Donc, LP, comment j'appelle ça? LP Twitch hardcore, hein. Voilà. On va faire classico. Alors survie, on va mettre en hard bien évidemment. Auto cheat off, on va le laisser. Voilà, game rule. Il y a quoi dans game rule? Ah ouais, maintenant il y a tellement de précisions à faire sur la map. Alors, ça on s'en fout. Respawn non. Respawn non. Je regarde juste vite fait les trucs. Alors régénération. Au début je vais la laisser oui, mais je me dis que je vais faire comme Redtox, je vais la désactiver comme ça sera vraiment le truc. Slip pourcentage, bah, de toute façon je suis tout seul. Respawn location radius, ça on s'en fout. Disable raid off, voilà. Je crois que de toute façon c'est le seul truc que j'ai à désactiver, puisque le reste ça sert pas à grand chose. On va essayer de jouer le plus vanilla possible. Spawn mob, bah, bien évidemment que oui. Les drops aussi, les world update, rien. Le chat, on va laisser, on s'en fout. Voilà, je crois qu'il y a à peu près tout. Down, et puis là on va mettre du coup. Il y a rien de plus en DG. Voilà, faut que je mette en hardcore. Donc tu me disais, j'avais bien oublié quelque chose. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est tout, c'est tout. Et salut. Alors, je sais pas si ça se prononce Tygarde ou Tygarde. Je sais pas du tout. Je suis désolé si j'écorche mon pseudo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la commande point d'exclamation raid. J'avais oublié. Avec Nedbot qui, du coup, lui dit va te faire foutre. Incroyable. Salut Toc. Comment ça va-t-il? Voilà, incroyable. Déjà c'est pas la bonne dite, mais il est pré-update. Ouais, c'est la pré-release 1 de la 1.18, mais bon, c'est globalement une version quasiment définitive. Déjà faut que tu fasses 3 heures sans prendre de dégâts, sinon Gold est nul. Bah attends, attends, c'est voilà, hein. Non mais où? Ça se trouve je vais crever au moment où je vais lancer, je spawn dans un lac de lave, je vais crever, je t'en bah yes, ça y est, fin du stream, salut à tous. Pitié pas dans une taïga, pitié pas dans une taïga, pitié pas dans une taïga. Putain, ça prend du temps à charger. Ah oui, alors j'utilise le launcher de base parce que sinon faut mettre à jour sur Java, je sais pas quoi, ça me faisait chier de tout désinstaller avant. J'ai fait, ouais, allez, let's go. Let's go, tant pis. Du coup, là, le stream va un petit peu comment on dit? Galérer, tout simplement. J'ai lancé une prédiction incroyable. Tu vas mourir dans 1 heure. Mais pourquoi tout le monde dit que je vais crever? Attendez, sur les cubes, j'ai tenu longtemps avant de crever, hein. Je suis mort par un squelette sur les cubes. Ma première mort c'était ça, un squelette dans une Soul Sand Valley. Pas une taïga. Putain, une taïga, super. Bah génial. Génial. Bon bref, bah, au moins ce qui est bien c'est que j'ai du bois. Putain, j'adore les taïgas, c'est vraiment le biome que je préfère le plus. C'est le bois le plus joli et tout. C'est trop bien les taïgas. Faux. Complètement faux. Ouais, je vais pas faire très attention, je vais partir vraiment sur une map classico-classique. Hop. Putain, je voulais surtout pas démarrer dans une taïga, c'est génial. Vraiment, trop trop bien. C'est exactement ce que je voulais. Alors, je vais essayer de pas trop perdre de temps, je vais directement essayer
de rusher par les premiers éléments, ça va être aussi chercher de la bouffe et surtout sortir de cette taïga, parce que si vous le savez pas, hein, le ultra hardcore, je ne régénère pas naturellement, donc il faut que j'aille chercher des pommes pour cela. Et pour avoir des pommes, bah faut que je tombe sur un truc d'oak. Logique. Oui, c'est vrai qu'il y a des charbons là, incroyable. Et normalement, je crois que j'ai mon pack de textures, et du coup, si je le mets. Ah non, pas le charbon. Le charbon, ça marche pas, c'est les autres minerais qui marchent. C'est avec mon texture pack, du coup, j'ai les minerais qui sont un peu en éclairage. Dans le noir, c'est trop stylé. Enfin, je vous montre ça dans les nouvelles cavernes, ça va être incroyable. Salut Diablint, tu es en quelle version? Je suis en pré-release 1 de la 1.18, donc c'est-à-dire que du coup, j'ai les nouvelles cavernes, etc. Tout simplement, je récupère juste vite fait ça. Ouais, tac. Hop. Moi, je fais pas très gaffe, hein, parce que s'il y a un creeper, hop, je relance la partie, puis let's go, quoi. On s'en fout. Touk. Hop, juste me faire vraiment le strict nécessaire. Yes, comment perdre du temps? Ah, j'ai pas de Chocatwix aussi. Ah, oh, c'est tellement chiant. C'est trop bien le Chocatwix. C'est trop bien. Hop, on va vite fait récupérer les trucs. J'ai pas mis aussi le Fulbright parce que ça n'existe pas en point 18 et je sais pas si ça se fait avec un ressource pack, mais j'avais la flemme. Je suis en mode, allez, let's go, tant pis. Partons sans. Ça sera plus sympathique. C'est vrai que j'aurais pu changer de gamma aussi directement, mais bon. Mais bon. J'ai tout mis pour mort avant 2 heures. Oh le mec! Le mec! C'est honteux. On voit qu'il y a la confiance qui règne. Hein. Incroyable. Incroyable. Il connaît même pas son propre pack. Mais si. Voilà, on va récupérer un peu de charbon. C'est mieux que dans un océan. Clairement, j'aurais peut-être même préféré l'océan plutôt qu'une taïga. Taïga, c'est vraiment le biome que je supporte pas. Enfin, c'est vraiment le biome qui me tape le plus sur les nerfs. J'aurais dû regarder pendant que j'étais en haut de l'arbre s'il n'y avait pas un biome à côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Bah, une taïga. Que de la taïga, de la taïga, de la taïga. Puis une petite montagne aussi, trop bien. Peut-être mettre un peu plus de. Ouais, on a leur distance. Wow. Minecraft n'a pas aimé. Faut changer l'océan. Comment. Putain, Minecraft. Ah, c'est bon. J'ai juste vu ce que je voulais. On va remettre cette chunk. Voilà, parce que le PC aime peut-être pas forcément que je fasse ça. Touk, 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 touk. Hop. On va aller dans cette direction. Il y aura certainement déjà de la bouffe. Ça sera déjà pas mal. Un champignon! À moi! Donnez-moi de champignons! Merci. Ouais, je peux faire une soupe, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, ouais, du coup, je vais essayer de garder quelques petits challenges, ça peut être pas mal. Oh, regardez, il y a une belle grotte ici. Oh, il y a de la cana là-bas. Il y a de la cana, il y a des pommes aussi, surtout. Ça, c'est très, très bien. On va la récupérer ça en priorité. Mais pourquoi tu veux que je meure? Si je meurs, c'est la fin de la série, ça serait triste quand même. Quand même! C'est honteux, je vous pensais pas comme ça. Ouais, donc là forcément le jeu génère un peu, donc des fois ça peut merdouiller. Hein. Je vous rappelle que moi j'ai pas une 3080, hein. J'ai pas gagné au Twitch Revolt. C'est honteux. Comment tu vas faire? Gaffe quand j'ai mis 1000 points sur Luma, donc bon attention. Ouais, je vais essayer de faire gaffe quand même. Je vais essayer de faire gaffe. Je vais essayer de récupérer quelques pommes avant de m'enterrer. Après, j'ai pas beaucoup de bouffe non plus, donc ça c'est un peu la galère. J'aimerais bien avoir un petit peu de bouffe. On va casser quelques arbres. Il y a une petite grotte à côté, ça se trouve, il y a un creeper qui va sortir de nulle part. Je me mode bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est la mort. Ah non, c'est même une crevasse. Enfin, c'est un début de crevasse, on dirait. Ouais, début de crevasse. Des petites pommes, ça serait cool. Salut Valentin. Salut. Change de carte graphique gold. Oui, bah écoute, hein. Voilà! On n'est pas tous des gagnants au Twitch Revolt! C'est honteux! Déjà, je sais même pas si je vais vraiment gagner de l'argent avec le dernier Twitch Revolt que j'ai fait. Hein. Clairement. Je sais même plus combien on avait fait 7ème, je crois. Enfin, ça sera clairement pas assez pour acheter une 3080. Ça, je pense que là, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai que maintenant il y a le Saving World. J'ai l'impression que ça fait un mini lag. Je sais pas si c'est juste l'information ou si c'est le truc qu'il y avait avant. Hop, je crois qu'il y a une pomme là-bas. Ah non, c'est une fleur. Et ici il y a de la lave. Bon, moi c'est bon à savoir. Ok, bon. Tac-tac, on va se crafter quelques petites torchounettes. J'aimerais bien voir dans l'eau là, histoire de bien crever ma race. Ça va être trop bien. C'était où qu'il y avait le truc déjà?
Ah bah là il y a des poissons. D'ailleurs je pourrais bouffer des poissons. Oh là je suis vraiment réduit à ça. En même temps j'ai trouvé aucun animal. Mourez les poissons. Donnez-moi à bouffer. Je me nourris de saumon quand même. Je suis rendu à un point dans l'aventure déjà. Déjà, il est où le dernier poisson? J'ai vu qu'il y avait un poisson ici. Là. Meurs. Ouais, de la bonne mille. Trop bien. C'est vrai qu'en vrai, de la bonne mille, ça peut être pas mal ça pour faire pousser des cultures aussi. Bon, il n'y a rien. Là, les petits arbres, j'aimerais bien qu'ils me donnent des trucs. Ça, c'est chiant quand il y a des arbres comme ça là. Oh là. Quel enfer. Quel enfer. Droppez-moi des trucs. C'est moi les 5K, mais c'est honteux. C'est honteux. Est-ce que j'ai assez de bois? J'ai à peu près assez de bois. Putain, mais pour l'instant, il n'y a aucun animal. C'est abusé. C'est abusé. Ah, il y a une pomme là. Stonks. Noise. Noise. Je suis sûr qu'en plus Red il a commencé son aventure, il avait déjà un village à côté de lui. Moi je pose dans une putain de taïga. Y'a rien, regardez ça, y'a pas d'animal. Y'a rien. Y'a aucun animal. Y'a rien, y'a que dalle. Y'a que dalle. C'est terriblement honteux. Pouf pouf. Heureusement qu'il y a des pommes, hein, mais bon, bouffer des pommes c'est quand même un peu con. En tout cas je trouve, du coup qu'est-ce que je fais? Encore une sapling là, ça peut être bien pour faire cuire des trucs. Le soleil va pas tarder à se coucher. En fait, j'hésite à partir par là. Ou alors je crafte un bateau, je me tire. Ah, je voulais pas faire ça à l'origine, mais bon, tant mieux. Est-ce qu'il y a par là? Y a-t-il des trucs? Ah, il y a du fer. Je suis vraiment réduit à en train de chercher du fer dans un truc comme ça. Ah, oui, c'est vrai que c'est des minerais bruts maintenant. Incroyable. Incroyable, quelle différence. Insane. Putain, j'avais sur la touche de petit find, mais ça marche pas. Je pensais voir une vache là-bas, mais non, c'est juste des trucs. Y a rien. C'est le néant total ici. C'est honteux. Y a quoi par là? Y a un autre biome. Toujours de la forêt. Y a rien. Au secours. Non, mais c'est ouf ça. J'ai vraiment spawné sur une map de merde. J'aurais dû reset. J'aurais dû faire un mini speedrun là. Non mais y'a rien, y'a pas de village, y'a pas de plaine, y'a que des arbres. Voilà, c'est terriblement honteux. Oh, y'a rien, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Puis j'aime pas non plus cette zone parce que le problème c'est que si je... Ah, y'a des mini plaines fleuries ici. Le problème c'est que si je creuse ici et qu'après je ressors, bah je risque de me faire avoir avec les... Putain, j'ai déjà plus de bouffe là. Je risque de me faire avoir avec les mobs. Parce que s'ils spawnent, je vais être en mode bah yes. Ok. Petite grotte là. Oh. Un mouton. Ça c'est clair que ça c'est un des meilleurs trucs. Malheureusement j'ai pas de fer donc je suis désolé mon pote. Voilà. Par contre si t'as d'autres potes justement je suis bien preneur parce que de la laine. Ça serait très très bien pour dormir pour éviter que les mobs spawnent. Faudrait vraiment que je trouve un mouton là. Ah, je crois que j'ai vu une vache là-bas. Non, putain, c'est encore un bois de boulot. Oh là là. What? Ah, j'ai fait des tests pour le pour le texture pack et du coup j'ai voulu changer des trucs. Lol. Bon, est-ce que non mais c'est quoi cette map de merde? Sans déconner. J'ai tellement envie de reset, c'est honteux. Ah, de l'eau, de la mer, l'eau, la mer, l'eau. Une plage. Avec du sable à côté. En vrai, c'est... Oh, canne à sucre. Oh, j'ai encore faim. C'est possible, ça. En vrai, ça, cet endroit-là, c'est pas trop mal. Comme ça, les mobs, ils crament. Là, ils ont rien pour s'éteindre. J'ai un peu de canne. Bon, dommage que ça, ça me donne pas de la bouffe, les tortues. Parce que là, ça commence à tomber. Et puis au moins, j'ai de la bouffe ici. En vrai, tu me diras, il y a les planètes qui peuvent spawner, mais bon. Salut les mobs. Salut les mobs. Allez mon pote. Ok. Oh. Ça c'est bon ça. On va faire comme Matox là. On va se mettre là. Ça marche pas. C'est bon ça marche. Ça marche. Salut Benolt. Cul de poisson ouais. J'ai pas le time moi. Je suis un speedrunner. Il y a un creeper, je serais mort là.
Voilà, regarde-moi ce speedrunner de l'extrême là, incroyable. Bon, donc on y est. Voilà, ça c'est à moi. Y a pas d'autres. Si, peut-être. Un petit coffre? Ouais, un petit coffre. Waouh, trop bien, regarde, je vais déjà avoir du diamant. Incroyable. C'est moi ou il a un. Ah non, c'est une canne à pêche. Putain, j'ai eu peur qu'il ait un trident, j'aurais été en mode. Oh fuck. Allez, le premier mob. Waouh, quel combat intense. Voilà. Incroyable. Bon, par contre, j'ai besoin de bouffe, alors je suis désolé, mais vu que j'ai rien d'autre que les poissons, je vais devoir les buter. Ce nombre de poissons, mais what the fuck? What the fuck, les amis? Mourez, les mobs, mourez. Putain, mais c'est impossible. Ah! C'est bon, j'en ai assez. Ouais, 9, ça va le faire. Par contre, j'ai peur que les mobs spawnent partout. J'essaie de rejoindre là-bas, mais j'ai bien l'impression que ça va spawner. Hein. Ouais, regardez-moi ça. Allez, déjà, il y a 3 araignées. Ouais, bah, hein. Nick. Nick les mobs. Prends pas d'autres risques. Hein. Oui, t'inquiète. Je prends pas de risques. Par contre, c'est où ça, la trésor map? J'ai le droit aux coordonnées. Hein, parce qu'il y en a, je sais qu'ils font pas aux coordonnées avec les machins. Moi, oui, quand même. Nord, donc du coup, ça serait plutôt vers la gauche. Puis en vrai, c'est. What? Par contre, c'est. C'est complètement dans l'eau par contre. Ah ouais. Oh, tiens, c'est étonnant ça. Hop, on va se mettre dans cette direction pour voir s'il n'y a pas des mobs qui vont venir me rusher dessus. Et si tu me diras, il y a quand même des drones qui pourraient spawner, donc je suis pas spécialement sûr que ça serait bien. Donc hop, on va regarder ça aussi, ça pourrait être pas trop mal. Hop. Et on va partir dans cette direction. Touk. En espérant qu'on tombe sur quelque chose d'intéressant. Il y a aussi le cap que je pourrais cuire. Vous me direz, ça pourrait me servir de bouffe. Oh, il y a un portail. Non mais lol. Des fois, l'acide qui est complètement useless as fuck. Attendez, 2 secondes. Voilà, c'est bon. Tac. Il y a des poissons. Il y a des poissons. Bon, au moins j'ai de l'or. Je pourrais me régénérer avec une pomme si j'ai besoin. Putain, j'ai tellement peur qu'il y ait un drone qui sort de nulle part. Ah oui. Ah oui, c'est pas trop mal, dis donc. C'est. Oui, d'accord, c'est intéressant. C'est un concept intéressant, disons. Hop. Bah, du coup, je peux même pas récupérer le truc. Putain, j'ai le touch quoi, lol. Curse of Vanishing, j'aurais pas dû le mettre. Ah non, Vanishing, je peux l'enlever. Ok, c'est bon. Au moins, ça me fait un petit peu de protection. Du coup, sur la carte, ça donne quoi? Je suis allé trop loin. Hop, on va le mettre par là. Par contre, pourquoi on peut pas regarder la carte en bateau et. Et les bedrock qui peuvent s'en faire. Ah, les différences entre bedrock et java, c'est des fois c'est un peu con. Hein. Clairement. En fait, j'ai l'impression que je l'ai passé le truc. Attends, je vais me prendre un drone hein, tout à l'heure. Abusé, je vais m'en prendre un drone head. Ok, c'est par là. Ah, regardez, il y a un drone head qui a spawné là-bas. Je pense que je suis clairement en train de faire le truc le plus con et dangereux qu'il n'y a pas plus con quoi. On va dire que c'est dans cette petite colline là. Ça a l'air d'être par là. Ok. Donc, vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça déjà. On va faire ce que nous a dit Red Tox tout à l'heure, on va faire cuire le poisson. Je pourrais même aller Nether si je veux, hein. Peut-être un peu short quand même. C'est peut-être un peu compliqué, je vérifie qu'il n'y a pas les drones qui spawn. Hop, on va mettre du coup le charbon que j'ai pris, on va bouffer un coup. Où j'avais paré, c'était dans une faille, il y avait 2 blocs de sable qui couvraient le coffre, ok. Ah, n'hésitez pas des fois si je loupe des messages importants hein, de mettre un petit ping golden, pas de soucis dans le chat. Donc ça ne spam pas non plus pour rien dire. Un Nautilus, le mec, il a un Nautilus. Bah, du coup, on va se faire un petit peu de stuff en version tranquille quand même. J'avais déjà des trucs finalement. Hop, j'aurais pu récupérer le bloc d'or, je vais peut-être aller récupérer tout à l'heure. Hop, alors non, pas ça, mais ça plutôt. Tac, voilà. Oui, bonjour. Tu veux pas me la dropper ta canne à pêche? Ça me serait très utile mec. Mais genre vraiment. Super. T'as par contre les drones là, ça spawn de ouf en vrai. Abusé. Abusé. Hop, voilà, j'ai un peu de bouffe, nickel. Déjà je me sens un peu mieux, ça je vais garder pour vraiment si j'ai besoin de bouffe. Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Du coup ça je peux virer. Je vais garder ça, je vais peut-être économiser le fer encore, vu que je n'ai pas non plus des masses. Ça je peux me refaire un lago avec, paf. Du coup, je vais peut-être me crafter aussi une petite pelle. Hop, je vais me crafter une pelle. Ouais, je vais en faire. Ça sera plus utile. Alors, où est-ce qu'elle est?
Ça, les coffres, par contre, c'est super chiant. Je me souviens plus de la méthode. Je crois qu'il faut mettre en 8-8 sur les chunks pour trouver. Bon, on va peut-être essayer de faire la technique. Alors, 8-8, normalement, il est sur le bloc. Putain, des fois, j'entends des drones, ça me perturbe. Laissez-moi me concentrer. Ça y est, je sais plus où j'en suis. 8-8. 8-8. Normalement, il est là. Ou pas. Bah super hein. J'ai l'impression de vraiment y être. Alors je suis dessus là. Je crois que c'est là, non? Comment il faut faire déjà avec la carte, je sais plus. Parce qu'après j'ai le face full, donc peut-être que ça change, que normalement faut se mettre pile là. Je crois, non, il n'y a pas un truc comme ça. Bon, de toute façon on va creuser n'importe comment, puis on va bien tomber dessus d'un moment. Alors c'est pas là. Ah c'est le 9-9, je crois que c'est des 8-8. Ouais, c'est chiant. 9. Non, c'est pas là. 9, 9. Pourquoi on entend des drones? Ça me perturbe. Ouais, c'est bien ça. Alors, du gold. Putain, j'ai pas eu de diamant. Bon, le. Les trucs, c'est pas terrible là. TNT, de la bouffe, ça c'est bien, Cooked. Puis l'Heart of the Sea, allez contre ça tiens. Même si bon, l'Heart of the Sea, je vais pas moins savoir de suite hein. Putain, le mec il a une épée en or, enfin en fer je veux dire. Puis là il y a un squelette, tranquille, au calme. Au calme. Nickel. Bon, bon au moins comme ça. Ça j'en ai pas spécialement besoin. Il y a un truc là-bas, je sais pas ce que c'est, bref. Sympa ton pack ennemi pour les textures, oui. Salut Krisa. D'ailleurs il est disponible en téléchargement si tu le veux, bah, éventuellement. Il y a plein d'autres trucs aussi qui sont cool dans le texture pack, mais là je peux pas trop montrer parce que je suis pas avancé dans... assez suffisamment avancé dans l'aventure. Mais bon. Du coup je vais faire cuire ça, ça. Est-ce que j'irai pas me tailler? Est-ce que j'irai pas me tailler? Donc, je vais peut-être jeter des trucs encore parce que j'ai pas besoin de papier, je vais peut-être garder le gros bouton. Ah c'est chiant quand tu démarres une aventure et je voudrais vraiment un data pack là. Enfin. Un backpack plutôt, bon champignon je vais virer, ça j'ai assez de bouffe pour l'instant. J'ai pas spécialement besoin de deux épées, tu me diras une knockback ça peut être bien, bon je vais enlever l'autre. Je vais récupérer mon four par contre, merci. Et où mon batal? Viens ici batal. Viens ici. Hop. Ok. Oh j'ai récupéré toute ma merde mais sans déconner. Hein. Ça on s'en fout. Voilà. Ok les os. Ah le soleil se lève, cool, on va pouvoir explorer tranquillement sans qu'il y ait des mobs qui viennent nous attaquer. Un lit ça serait pas mal aussi, mais bon j'ai pas spécialement envie de me battre contre les araignées. Même si techniquement je pourrais. Nice le 9-9, je ne connaissais pas, ça va me servir. Ouais c'est une technique qui est plutôt efficace. Je pourrais en faire une mini vidéo d'ailleurs, peut-être un petit short de ça. C'est vrai que c'est une info qui est quand même bien pratique. Vous voyez je pensais que c'était le 8-8, non apparemment c'est 9-9. Faut regarder dans les chunks. Le soleil se lève. Bon, est-ce qu'on irait pas se faire une petite grotte là? J'aimerais bien faire une petite grotte. La fameuse liane. Je vois plein de minerais. Vous voyez, le minerai il brille dans la nuit. Bon, on voit pas trop, mais. Ouais. Ah, je crois que de toute façon, il faut Optifine pour que ça brille dans la nuit, non? Il me semble. Il me semble. Bon, au moins, niveau bouffe, ici j'ai du calp, hein, donc je peux en bouffer pas mal. Est-ce que j'ai assez de bouffe? Pour l'instant, ça va encore. Salut Genny. Faut ajouter un slash pack pour avoir le lien de téléchargement direct. Bah je crois que de toute façon ça y est dans le sous le lecteur vidéo, non? Il me semble. Ouais je vais essayer de tomber sur un. Sur un petit une petite grotte, ça pourrait être sympa. Alors sans eau ça sera encore mieux parce que là pour l'instant c'est un peu compliqué. Encore des. Il y a encore des tortues ici. Saving World. Hop. Tanks. Elle est immense la plage ici. What the fuck. Ah alors peut-être. Alors peut-être. Ah bah non. Alors peut-être pas. Il y a encore une taïga. Mais non. Mais c'est honteux. C'est une big taïga ou une taïga normale? Ah bah tiens c'est la taïga qu'on cherchait l'autre fois quand on voulait faire le. Le bingo restons d'amène. Putain il y a un. Il y a un biome pactice à côté. Trop bien.
Ah oui, Oh la vache, sacré... Putain, sacré boom Spike. What the fuck? J'ai récupéré mon bateau? Même pas. Je crois que je l'ai abandonné, mon bateau. Oh, il y a du fer ici. Il y a du fer. Oh, ça va être si long. Ça va être si long. Merci. Hop. Pouf. Alors, let's go. On va peut-être faire une petite armure aussi, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de protection. On va faire gaffe aussi de pas crever dans l'eau. Ce serait un peu con, il en reste un. Aussi fusionner le Gravios Costume Pack de Monsieur Golden. Ah, c'est prévu que je rajoute des costumes. Pour l'instant, je l'ai pas encore totalement fait, mais... Il y a certains costumes. Déjà, il y a un add-on Bob Lennon et Fanta, vu que j'avais fait la vidéo... Le premier documentaire, j'avais mis ça. Et après, ça sera vraiment ajouté dans la prochaine mage. C'est juste que là, vu que la 1.7 et 1.8 devaient être la même update, bah du coup, je me suis pas fait suer à toute update. Une deuxième fois, alors qu'une première fois suffisait. Non, mais il est incroyable ce biome ice pack, par contre. Ah, il y a une petite grotte ici, mais bon, c'est un peu dangereux dans l'eau, j'aime pas trop. Il est insane ce truc. Peut-être se recrafter un petit patal. Look. Tiens, le bois que j'aime pas, hop, au moins il vient me servir à quelque chose. Ok, let's go. Super par contre pour se déplacer à l'intérieur. Hop. Trop bien. Tu as le bateau toujours, je le vois pas. Ah oui, il est là. Bien que je l'avais récupéré. En général, c'est pas trop mon truc de laisser les bateaux derrière. Je crois. Là, il y a un petit drone. Il a pas l'air d'être équipé de trident, donc je peux passer tranquillou. Un ours polaire! C'est là que je me fais défoncer par l'ours polaire parce qu'il y a un petit à côté. Et là, je suis en mode bah yes! Bah yes! Non, ça va, il a pas l'air trop de vouloir me défoncer la tronche. Bonjour! Bonjour, non, il s'en fout, ok. Oula, par contre, lui, si je me mets à côté, normalement, il va m'agresser. Non? Ah si, wow putain! Et salut à tous, c'est Fanta. Hop! Taillot, messire, taillot. Bon, est-ce que je peux trouver une petite grotte là? On va peut-être essayer de creuser un peu, parce que pour l'instant j'ai pas grand chose. Bon, par contre, dans un biome taïga, c'est hors de question. Hein. Biome taïga, c'est la mort assurée. Je déteste ce biome. C'est Minor! Oh mais c'est honteux, j'ai raté un saut comme ça. C'est honteux. Non mais ce biome par contre il est horrible à traverser là. Oh là là. Ouais, réchauffement climatique, gna gna gna. Alors, regardez, réchauffement climatique de rien du tout, il y a des morceaux de glace partout là. C'est honteux. Ah tu me dirais si toi je peux en récupérer. Bon après j'ai pas trop d'intérêt à les récupérer dès maintenant mais... Ah une petite plage, non toujours un... Ah! Bah ça me va aussi. Peut pas passer. C'est quoi ça? Ah, il y a des. C'est quoi? Ah, c'est une maison. Merci pour ton lit, frérot. Alors, réussir à récupérer dans ces styles de village. Il y a rien là. C'est une église? Putain, il y a des fois des bâtiments, je les connais même pas quoi. Genre, ça, c'est quoi? Ah. Bonjour. Ouais, bon ça je vais laisser là, pour l'instant j'en ai pas spécifiquement besoin. Super. Quitte à avoir un truc stylé, autant que je prenne un lit bleu. Merci. Ok. Bon la vache. Putain le lag serveur, what the fuck. Ok. Y'a pas de bibliothèque? Y'a pas de truc comme ça non? En même temps, je regarderai Smoker, je crois vite au modé où il y a toujours des trucs à l'intérieur. Sauf que, pas du tout. Je sais pas quoi jeter. Le coffre, je peux en recrafter. Alors que le cuir, non. Quand tu me diras, la bouffe, ça peut être pas mal aussi. Ouais, regardez ça. Non, mais il y a rien par contre, il y a pas. Il y a pas de. Pas de biblio, il n'y a pas de. Il y a un Smoker, trop bien si je veux faire du build. Trop bien.
Là, il y a que dalle. Ok. Bon. Ah, une cloche. Il y a une cloche. Oh! Le luma sauvage. Enfin, let's go le capturer dès que j'ai du poisson frais. Enfin, tu me diras, je pourrais aller directement. Oh, des patates, c'est trop bien ça. Des patates. Le pain aussi, ça peut être pas mal. Je change ça contre quoi? Il y a deux Iron Golems dans le village. The fuck? Non, je vais peut-être garder ça. Peut-être virer la laine par contre, il me sert à rien une fois. Y a rien dans le village, y'a que dalle, y'a que des lits. C'est bien les lits, mais on s'en fout d'un moment. J'ai envie de le capturer le luma là. Mais je crois qu'il n'y a pas de poisson. Oh, y'a une vache. Y a un autre chat. En modé, on peut bouffer du chat. Mais bon, c'est qu'en modé. XP, merci. Cours, chat, cours pour ta vie. Là, y'a quoi? Rien, toujours pareil, c'est le même style de maison. Sont nulles ces maisons en fait, comparé à celles des plaines. Au moins t'as des bibliothèques et tout, là t'as rien. T'as que dalle. Je dois filer, c'était sympa de repas. Je repasserai pas de soucis, Cri. Non. Chrysalia, la prochaine. Avec grand plaisir. Hardcore ou ultra hardcore? Les deux. C'est en hardcore et en ultra hardcore. Tout simplement. Tout simplement. Se trouvent des bottes en cuir, tu les mets pour éviter de te faire avoir par la neige poudreuse. Effectivement, mais je crois pas qu'il y en ait dans les biomes classiques comme ça. Oui, bon alors Minecraft, je sais que des fois c'est pas logique, mais là c'est peut-être un petit peu abusé là. Non mais sans deck, Mojang. Fix your game, Mojang. Fix your fucking game. Faut toujours que je vire un truc et je sais pas quoi virer. Bon, ça en général on a du bois partout. Venez ici les poiscailles, venez ici. Je suis en train d'avoir des trucs pour adopter le chat. Vous allez peut-être me dire, mais Golden, tu perds du temps, on s'en fout du chat et tout, machin. Alors déjà, c'est pas n'importe quel chat, hein, parce que c'est Luma, premièrement. Mais surtout parce que ça permet que, comme ça, les creepers, eh ben, ils auront peur de moi. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que bon, les zombies, t'attends de les voir venir et tout, mais les creepers, des fois, t'as pas trop le temps. Surtout aussi, il faut que je pense à dormir. Oula, ça c'est un piège à con ça. Ouh, c'est un piège à con ça. Tu 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 tu. Non, c'est bon, ça passe. Le piège à con. Ah, il y a de la lumière là. Ah, c'est les Glolichons. C'est bon que les Glolichons ils peuvent aller dans l'eau. D'ailleurs, il y avait un bug dans une des snapshots. Quand vous mettez du Glolichon dans le Nether et que vous les cassiez, c'est dropper de l'eau dans le Nether. Ça aurait été trop stylé sur les cubes. Mourez les poiscailles, mourez. Je précise aussi un petit truc, c'est une aventure full live, hein, donc du coup, enfin, je peux me permettre de temps en temps aller miner tranquillement dans mon coin tout seul en solo, mais il n'y aura pas de vidéo, enfin, il y aura juste les rediff sur la chaîne secondaire, quoi. Je m'embêterai pas avec autre chose. Hop, on va aller adopter le chat, ça devrait suffire. On va se dépêcher, parce qu'en plus, il fait bientôt nuit. C'est une info électrique, what the fuck. Petit fuck. J'ai pas regardé par contre ce que changeait les PNJ. Bon, il est où le chat? Il est où le chat? Il est là. Hop, quand on adopte un chat, on le fait courir, on prend du poisson. Oh, ils ont ajouté un chat, un petit bruit pour le chat quand il a pâté. C'est trop mignon, je savais pas qu'ils allaient me changer ça. Hop, on a un petit chat, trop bien. Trop bien. Et en plus, on a une fleur jaune, parfait. Hop. Miaou. Et voilà, on a Luma. Je sais pas si elle va faire long feu, mais. Mais le village, il continue par là en fait. Incroyable. Incroyable. Bonjour. Ah. Ah. Je suis mal à propre dessus, bah super. Il y a un moutou là-bas, là, mais on s'en fout. Bon, on va s'établir dans une petite maison, puis on va commencer à creuser, histoire d'avoir un petit peu de minerai, parce que là pour l'instant, on n'a pas grand chose. Mais déjà, en 40 minutes, je trouve que je suis pas trop mal. J'ai toujours pas pris de dégâts, bon ça après c'est la chance à qui veut, hein. Mais ouais. Peut-être m'installer dans cette maison là, non peut-être dans la maison d'à côté, elle est plus grande. Ah, comme ça je suis à côté du glacier, c'est sympa, j'ai une belle vue. Le matin quand je me réveille, pouf, je vois un énorme mur de glace. Le Trump des neiges. Oui, le chat rentre. C'est mieux ici, hein.
Bon, alors, déjà, premièrement, table de craft, touk, 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 hop, classico, je vais mettre là à la place. Casse-toi le bloc, pouf. Si toi, je te fais un don de 100 euros. Bah du coup, ça va être compliqué, parce que bon, vu que je suis en hardcore, c'est pas vraiment le but. Tac, on va mettre le truc ici. Il y a de la lumière, donc ça va. Oui, alors Luma, par contre, t'es sympa, mais... Merci. Ouais. Je respecte le code couleur en plus. Incroyable. Ensuite, on va poser le four. Voilà, on va foutre du truc à cuire là-dedans. Voilà, comme ça, je vais pouvoir ranger un petit peu mon stuff parce que j'avoue que ça commence à être un petit peu le bordel. Je sais pas trop où foutre le coffre. On va le foutre. C'est quoi qu'il y a au-dessus là? C'est un. Non. Génial. Je pensais que c'était un escalier. J'aurais peut-être pu l'ouvrir d'en haut, mais. Ça marche pas. Et là, c'est un escalier aussi ou pas? Ouais. Bah super. Pré-release un point de vie, j'ai un village saga avec trois villages cuir et deux pantalons en cuir, un plastron et des bottes. C'est vrai qu'il peut y avoir du stuff, ça peut être pas mal à voir. Alors tout ça, du coup, je vais pas en avoir besoin pour le moment. La pomme non plus. Ah, j'ai pas récupéré le bloc d'or qu'il y avait au niveau du portail. On se permettra, je vais peut-être garder ça et ça par contre, parce que ça peut me permettre de me régénérer, donc ça peut être bien. Ça, on va le faire cuire. Hop, ça, on va le manger. Tiens, ça fait un peu plus de place dans l'inventaire. On fera cuire ça ensuite. Ça, on n'a pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Le sea touch, on n'a pas besoin. La canne à sucre, j'en ai pas spécialement besoin. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Des torches, j'en avoir besoin. Ok, et je crois qu'on est à peu près bon. Tac, peut-être faire cuire ça aussi. Incroyable. Comment ces champs de patates et blé avant de cave? C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Peut-être dormir aussi. Oh, le chat il dort sur moi. Enfin, il dort à moitié en l'air, mais il dort sur moi, c'est mignon. Ouais, il m'a donné de la rotten flèche en plus, trop bien. Alors, la fille qu'il y a personne. Il y a effectivement personne. Hop, on va faire un petit champ ici, là, je sais pas où. Pouf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Ouais, j'aurais pu faire ça directement. Non, ça casse tout. Je veux pas tout casser là. Putain de neige. J'aurais peut-être dû faire ça sous de la dirt directement. Ça aurait peut-être gagné du temps. Bon. Hop. Voilà. Hop, j'ai pas besoin de toute la neige, donc du coup. Cassez-vous la neige. Tiens, le soleil, prends ça. Prends ça. Bon, si ça sort le PNJ, je vais me faire aggro après, je vais pas comprendre. J'étais en mode, mais quoi? Mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc vous voulez me buter, les Iron Golems? C'est honteux. Tac. On va se crafter aussi une petite houe. Tac tac, petite houe en fer, allez, let's go. Peut-être me crafter un petit pantalon aussi. Voilà, des petites bottes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire cuire ça? Oui, qu'est-ce qu'il y a le chat? Qu'est-il? Je vais avoir besoin de la bonne mie aussi, merci. Ah, il me faudrait de l'eau aussi. Je vais peut-être me crafter un petit bro, un petit bucket, un petit bucket. Hop, c'est bien. Les portes font des bruits à l'envers. Spécial. C'est trop pratique les nouvelles rivières de glace. Déplacement en bateau ultra fast. Oui. Ça va être bien. Hop. Est-ce que j'ai une dalle sur moi? Non. Je vais me chercher une dalle du coup. Rebelote. On va rechercher. On va recrafter. Il me faut des dalles. Merci. Tac. Comme ça, je peux laisser l'eau et ça s'en va pas. Et comme ça, je peux mettre de la lumière dessus. Parfait. Tac. Du coup, on va prendre ça. Hop, on va foutre ça. C'est pas bien mis. Bon, j'aime pas trop la neige, hein, donc je resterai pas ici indéfiniment. C'est juste vraiment pour le début de l'aventure. Mais voilà. Voili voilou. Hop. Miaou. Miaou. A que miaou. Voilà. Hop, on va vous faire un petit truc. Miaou. Merci bien, et du coup tu peux faire cuire ça.
Et voilà, donc ça j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, ça je vais garder, ça on s'en fout. Ça on s'en fout, ça on s'en fout, le bois je garde, la bouffe aussi, je vais avoir besoin de pas mal de bouffe, ça on s'en fout. Je vais aussi me chercher, hop, de l'eau. Merci bien. Et hey, toi le PNJ là, qu'est-ce que tu proposes? Ah c'est chez moi, hein, tu peux pas rentrer hein. Ah c'est con ça hein. Ah c'est con. Je te surveille hein. Ah chais. Ah ça j'ai pas mal de four, hein, c'est pas mal. J'aurais besoin aussi d'une hache, peut-être m'en crafter une. J'ai encore du fer, pas beaucoup. J'ai quoi? J'ai de la cobble. J'ai rien pour me crafter une petite hache là. C'est honteux ça. Ah oui la chute est assez haute. D'accord. Oui, alors, par contre, t'es prié de fermer la porte si tu rentres. Non, mais casse-toi là, ou rentre, mais fais quelque chose, mais qu'est-ce pourquoi il... Allez, juste venu chercher le métier, juste pour me casser les couilles. Ouais bah super, ça m'avantage vachement. Putain c'est complètement pété ça, de la clé contre l'émeraude, what the fuck. C'est broke as fuck ça. Bref. Tiens, si tu veux ton métier, garde-le, mais dehors. Voilà, sois content, il reste dehors. Bien. Ça va casser si je casse ça, non? Non, normalement ça casse pas les lits. Bingo. Hop. Tac, allez, let's go. Ouais, il est super content, il est en train de crafter plein de trucs. Trop cool. Ouais, t'as de la sandstone ici. C'est spécial. Ah, le charbon. Trop bien le charbon. Bon, bah voilà, tranquillou, hein. Pour l'instant, ça va. J'ai survécu, je sais pas combien de jours. Je suis à combien là, F3? Est-ce qu'on peut voir le nombre de jours qu'on a passé? Il me semble que oui, mais je sais plus où. Après je le... Ah oui, D2. Local difficulty. Donc je suis au jour 2. Pour l'instant ça va, tout va bien. Oh du copper, première fois que j'ai du copper. Incroyable. Incroyable le copper. Oh ça a l'air d'être une veine de copper ça. Ou pas. Si c'est une veine de copper ça. C'est une veine de copper. Ou pas. Je sais pas. Bref. Hop, dommage qu'on puisse pas se faire une armure en copper, ça aurait été pratique. Ouais, j'éclaire à mort, hein. J'ai pas envie de me faire avoir d'un coup. Pourquoi des torches? Bah, pour éclairer. Pour que ça fausse plus vite. D'année chez Casson, oui. Et pour que l'eau ne gèle pas, oui, effectivement aussi. Salut Dark. Salut à toi. Et salut Killer. Une petite araignée, peut-être un petit mineshaft. MDR. Oula. Cette petite patte ne me fait pas plaisir. J'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça du tout. Vous savez quoi, je vais faire un truc aussi. Je sais pas si j'ai assez de fer par contre pour ça. Je ne sais pas. Fais le spyglass dès que tu as de l'améthyste. C'est vrai, surtout qu'en plus avec le pack c'est marrant. Mais encore faut-il que je trouve de l'améthyste. Et ça va être compliqué. Putain, j'ai qu'un fer malheureusement. Donc je vais devoir me passer de l'eau. Enfin, tu me diras, est-ce que au moins j'en ai une de ça quelque part? Est-ce que j'en ai une? Je suis pas sûr. Salut le chat. Miaou. Téléphone qui vibre, qu'est-ce qui se passe? Une annonce Facebook, waouh, trop bien. Je suis trop content. Je suis trop content. Non, il n'y a pas d'autres animaux à part ça? Il n'y a pas d'autres animaux, très bien. La lave, ça pourrait être pratique aussi en vrai. C'est quoi qu'il y a là? Ah, c'est encore un portail du Nether?
Lol. Putain, avec double truc quoi. Hein. Il est où le coffre là? Curse of Vanishing, protection 2, efficiency 2, fortune de l'or partout, trop bien. On va se faire un petit coup. Ça fait peur les bruits de bulles partout là. Ouais, alors ça va être long, du coup on va juste faire ça. Alors j'ai de l'air. On me dit qu'il faut poser moins de torches qu'en 1.16 pour stopper le spawn des mobs. Il n'y a pas besoin de poser énormément de torches parce que normalement tous les blocs qu'avant les torches éclairaient, et ben du coup ça ne spawn plus dessus. Parce que les mobs à partir d'un point 18 ne spawnent que quand il y a une lumière de 0. Mais du coup pour éviter quand même, parce qu'avec les spawners c'est pas vraiment la même règle. Donc oula. Ouf, c'est bon. C'est pas vraiment la même règle, donc il faut faire tout de même attention pour pas que les petites spiders viennent spawner dessus. Ça pourrait être un petit peu triste tout de même. Hop. Yes. Pas du tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Pendant qu'il y a le feu dans la forêt. C'est bien, brûle ta gars, brûle. Je déteste bien ta gars. Bouclier pour pas crever. C'est pas con. Vivement que Mojang change l'interface de F3. J'avoue qu'il est peut-être un petit peu too much peut-être sur certains trucs. Bon, en fait, je voulais une vache pour avoir du lait, mais ça tape. Sinon, je pourrais me faire une laisse et puis prendre l'Iron Golem dans les cavernes. C'est vrai que c'est ouf ça, que personne n'ait pensé ça dans des UHC. Genre, tu craftes une laisse, tu prends un Iron Golem et si y a un mec qui te tape, bah du coup, t'as l'Iron Golem pour te protéger. Putain, c'est énorme ça. Enfin, j'y pense la prochaine fois que je suis un UHC. Ça pourrait être trop drôle. Du coup j'ai protection 2, donc je vais peut-être mettre ça. Hop. Et enfin tu me diras, ça va peut-être casser vide, donc je vais peut-être le garder quand même. Ça c'est très très bien pour faire une pomme, que d'ailleurs je vais me crafter tout de suite. Hop, on va se faire un petit peu de ça, de la bouffe, c'est très bien. Curse of Vanishing, FNC 2, Fortune 1. Fortune 1 quand même, hein. Des fois que. Fortune 1 c'est pas mal en vrai pour l'or. N'est-ce pas le chat? Ouais, du coup je voulais me crafter des trucs mais bon j'avais pas de quoi faire, tant pis. Tant pis, tant pis. Saut de lave pour tuer les mobs. Ah c'est vrai que du coup mon seau est vide. Bon, je vais juste prendre de l'eau, en vrai de la lave, pas vraiment trop d'intérêt. Ça reste plus de me faire chier qu'autre chose au final. Ça reste plus de me faire chier qu'autre chose. Hop, je récupère l'eau. C'est vrai que j'éclaire aussi. Non, oh, regardez-moi ces petites patounes. Attendez, attendez. Le chat il dort pas sur moi. Là. Putain, ça marche pas. Faut que je me crafte une hache aussi. Faut que je me crafte une hache. Tac, tac, tac. Non, pas pour le chat, vous inquiétez pas. Juste casser ça. Voilà, casser ça. Là. Pour qu'il se foute sur ce putain de lit. Mets-toi sur le lit. Merci. Ensuite, on bouge ça et ça. Et on se couche dedans. Et le chat, normalement, il est censé se coucher sur moi. Mais pourquoi il se couche pas sur moi, là? Ah, voilà. Donne-moi des trucs, chat. Tu m'as rien donné, bâtard. Parce que si vous savez pas, ouais, les chats, quand ils dorment sur vous, ils vous donnent des items. Ce qui peut être pratique. Tu peux pas casser l'or avec une pioche en or, il me semble. Oui. Ah oui, je voulais crafter bouclier aussi. Je sais pas si j'ai encore un de fer. J'arrive pas de remonter, au secours. Je vais jamais pouvoir voir ces nouvelles cavernes. C'est honteux. Je cherche un petit peu de fer. Merci. Je vais pouvoir me crafter maintenant mon bouclier. Hop, et c'est parti pour gagner. Hop, tac, tac. Voilà. Miaou. Miaou. J'aurais pas dit mieux, Luma. J'aurais pas dit mieux. Bon, j'en profite pour casser sur ça, vu que la pioche en or va pas casser grand chose d'autre, je pense. Hop, hop. De toute façon, vu qu'elle va se broc quasi instantanément, autant que j'en profite directement. Hop, voilà. On va prendre de la cobble, on va boucher ça pour pas que ça spawn. Même si normalement ça va pas spawner, mais bon, on sait jamais. Putain, j'ai des micro views sur les cavernes. Un peu spécial. Je suis en train de lire des fois vos commentaires aussi. Hop. Est-ce qu'on irait pas dans le mineshaft là? Une sorte de bien crever.
Ouais. Oh putain. Finalement, on va peut-être pas faire ça. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une petite tête d'araignée qui m'attendait et qui était en mode oh oui, viens, approche-toi. Ouais, finalement, bah non. Bah non. Bah finalement, vous allez vous faire foutre. Ah. Bonjour à tous. Il y a de l'eau partout. Ouais, alors après par contre l'eau ça me dit pas grand chose d'y aller en fait. Tout compte bien réfléchi, à vrai dire, je suis pas spécialement intéressé. Bon, je peux juste s'il vous plaît passer en fait, ça serait bien. Ils sont chiants les trucs d'eau là. Voilà, merci. Merci bien. Non mais encore. Ah. On essaie quand même d'être un minimum prudent tout de même. Hein. Ouais. Donc là, je sais qu'à gauche, il y a certainement des trucs pour les mobs. Un spawner d'araignée, donc on va essayer de faire attention. Ouais, effectivement, il y en a bien. Bon, du coup, finalement, ça part en exploration de mineshaft. Je vais récupérer ça, ça me permet de faire un arc. Ce qui sera très très bien. De ce côté-là, il y a quoi? Il n'y a rien à voir. Bah, finalement, ça va repartir sur une exploration de caverne. Parce que le mineshaft est nul. Il n'y a rien dans ce mineshaft. C'est honteux. Terriblement honteux. On a couche combien là? 32. Encore. Oula. Ah, c'est du glowlichen. Putain, je pensais qu'il y avait du diamant. Je me suis dit, what the fuck. J'aime pas trop l'exploration comme ça. Là. Ça me paraît peut-être un petit peu too much. J'aurais peut-être dû emmener le chat aussi. Par contre, l'ambiance que ça met, les glowlichen, c'est insane. Hein. Clairement. Le mineshaft est peut-être plus grand du côté du spawner. Ouais, mais j'ai pas trop envie de me frotter au spawner. Enfin, j'ai tenté, mais bon, hein, le jeu n'a pas voulu trop qu'il y ait rien là. Super, je descends, il y a que dalle. Trop bien. Toujours pareil avec les mineshafts, c'est genre tu vois un truc qui descend, tu fais oh ouais, ça descend et tout, et en fait au final t'as un cul-de-sac. Et t'es en mode bah super. Bah super, Nils. Ah du coup de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? On a rien, on a rien, on a rien, on a du fer, ouais, il y a du copper, trop bien, trop bien. Bonjour. Ok, on revient ici. Copper. Là il y a du truc. Ok, il y a pas mal de loot ici, on va récupérer, on va se faire un petit stuff. Là ce qui serait bien aussi c'est d'avoir un peu de diamant histoire de pouvoir commencer les enchantements. Et puis puis voilà, déjà ça sera déjà pas mal. Après si on est chaud, on peut peut-être faire peut-être une petite usine XP. Avec les Cave Spider. MDR. Hop. Ah, la pêche casse. Tristesse. Elle était si bien. En plus, les chaînes est waterloggable. Et ça, c'est trop cool pour les déco. Ouais. Pour les déco aquatiques, c'est vrai que ça, c'est un truc qui me manquait, les sources de lumière. Il y avait le Cipicole, mais bon, le Cipicole, c'est pas non plus le truc de ouf, quoi. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas de diamant. Bah oui, il faut que je descende beaucoup plus profond maintenant. Ah, tu me diras, je peux toujours en tomber dessus à la couche classique, hein, la couche 16 et quelques, je peux toujours en tomber dessus. C'est juste que maintenant, si plus je descends et plus il y en a. Putain, il n'y a rien, c'est abusé. Je sais pas s'il y a un intérêt à ce que je récupère ça. Ah tiens, ah, je savais pas, ça c'est bon à savoir. Quand tu ramasses du copper, t'obtiens pas d'XP. Genre, c'est un minerai qui ne drop pas d'XP. Regardez. J'en ai pas vu, j'en ai pas vu, j'en ai pas vu, j'en ai pas vu. Putain, c'est ouf ça. C'est ouf. C'est ouf de ouf. Du fer. Toujours plus de fer. Là, il y en a aussi. Je
trouve ça nul l'ajout du copper. J'aurais bien aimé que ça soit peut-être un peu plus pour certains trucs le copper, mais bon. Mais bon, je vais peut-être essayer de tomber sur. Ah, ça, j'ai pas exploré de ce côté-là. Bonjour. Ok, ça a l'air de continuer. Oh! Waouh, tellement de trucs qui servent à rien, trop bien. Pumpkin, c'est bien. Oh, un tag, ça c'est bien, ouais. Bon, finalement, c'est pas trop mal comme coffre. J'aurais bien aimé avoir une pomme de notch, mais bon. Mais bon. Bonjour à tous, c'est le squelette. Équipé d'un arc. Incroyable. Bah, c'est normal, le fer drop pas d'XP. C'est vrai que le fer drop pas d'XP maintenant, en version minerai. Bah, attention, il a jamais droppé d'XP, mais. Je sais pas, en fait, en version minerai. Ça... Ah, c'est au-dessus. Ça me paraîtrait plus logique que ça en drop maintenant. Donc, ça me perturbe, moi. Ça continue pas mal quand même, hein. Petite caverne, on va éviter de se prendre un truc, un coup dans le dos là. Là, il y a de l'eau partout, c'est pas très intéressant. De toute façon, il n'y a rien, et que dalle de ce côté-là. Ah, il y a une petite caverne qui peut descendre ici, ça peut être pas mal. Peut-être que je prépare un moyen de me remonter au cas où. Ok, il n'y a rien. J'ai quoi comme armure là? Ouais, il faudrait peut-être que je me fasse un casque aussi, ça pourrait être pas mal. Bonjour. Ok. Putain, le fer, il y en a, hein. Oh, il y a rien, il y a que dalle. Il y a que dalle. Bah, c'est super ça. Hop. Tac, on va se crafter du coup un petit four. Sauf que j'ai dropé ma pioche. Voilà. Il m'en manquait un. On va se recrafter une petite pioche. On va faire cuire ça aussi en attendant. On virait ça, on virait ça. J'aimerais bien avoir du diamant, si possible. Ça serait quand même vachement cool. Pour faire le paratonnerre. Ouais, le paratonnerre c'est bien. Bah, après c'est bien, mais que pour certaines usines, parce que bon, les creepers chargés en zone générale, on n'a pas spécialement besoin. Puis bon, après, pour avoir une usine à Witch, bon, c'est pas le truc le plus rentable. Tu utilises quel micro? J'utilise le. C'est quoi? Sennheiser PC310, je crois, mais qui n'existe plus maintenant. Je crois que c'est que la version 320 ou 330. Golden, c'est quoi ce jeu? Je t'avais dit. Ah, Valens, le pire! Le pire! It is the Minecraft, it is the best game of the world. Obviously. Je récupère un peu d'XP du coup. Touk. Salut Tomso. Pour build, tu peux faire des trucs sympas. C'est vrai que ça peut être sympa pour build. Ça peut être cool. Bon, en plus, je suis obligé de ramasser toute ma merde pour ramasser du charbon. Trop bien, ma vie est géniale. Connais pas. Ça s'appelle Roblox. Sente. Un petit peu de charbon là, un petit peu d'XP. Ouais. Hop, super. Bon, parce que j'ai vu des trucs là-dedans. Hop. Toc. Non, je veux pas me crafter des machins. Voilà, merci. Nickel. Ça, j'ai Curse of Vanishing ici. Ça me sert pas à grand-chose. Hein. Peut-être remplacer par du fer. Hop. Merci bien. Merci petit perçon de m'avoir accueilli. Au revoir. Bon, on va récupérer ça maintenant. J'espère qu'il a pas le temps de cuire, s'il a le temps de cuire. Fuck. Tant pis, bon. J'aimerais bien une première part. Continuer à explorer le mineshaft en espérant tomber sur des petits minecarts TNT là. Enfin des petits minecarts chest. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Que le fer, c'est bien, j'ai pas besoin de plus de 50 milliards. Il est nul à chier ce mineshaft, hein. Oh la vache! J'ai jamais vu un mineshaft aussi pourri. Les plastrons, j'avais dans le cœur. Mais oui, il était trop bien ce petit plastron.
Il a dit quoi, Redtox, d'ailleurs, c'était combien de temps qu'il fallait que je tienne sans perdre un petit cœur? Que je me prenne un petit dégât? J'ai l'impression que je suis pas trop mal parti là, hein. Tout de même. Hop, hop, tac. Je vais virer toute la merde que j'ai pas besoin, genre ça. 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 Ça, 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 ça. Ça! Voilà, je suis pas trop mal. Ah, j'aime pas du tout les bruits comme ça dans Minecraft là. Quel non-plaisir! Ouh! Bah, dis-moi qu'il y a un truc bien. Ouais, Golden Apple, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. La Redstone, c'est pas mal. Les beetroots, je sais pas si je vais m'en servir en vrai. Hein. Ça, c'est pareil, est-ce que je vais vraiment m'en servir? Non. Là, il n'y a rien. Là, il va y avoir que dalle aussi. Ah, ça descend. Mais c'est rien du tout. Et je suis à la couche combien là? La couche 18. Ah, je vais bientôt arriver à la Deep State. C'était pas un dégât, mais la mort. Non, il avait dit un dégât aussi, je crois. Hein. Il avait dit un dégât, il me semble. Il avait pas que je prenne un dégât avant 2 heures de gameplay, il me semble. Il m'avait dit. Ah, je donne une petite. Petite bébête là, j'aime pas trop ces petites bébêtes là, moi. Je voudrais du diamant. Where is the diamond? Oh, y a rien dans ce. J'entends de l'eau. J'entends pas mal d'eau là. C'est au-dessus? Ah ouais. Putain, le truc à pas faire. Ah bah ça va, je suis revenu là. Ok. Ok. Il y a quoi? Il y a rien. Je suis revenu ici. Alors malgré le fait que par contre je sais pas trop où c'est exactement ici. Même si j'avais. Ah si, c'est là où je suis venu à partir de là, d'accord. Ok. Ok, let's go. Très bien. Du coup, tac, tac, tac. Hop. Puis on va. On va continuer dans ce sens-là. J'ai pas d'autres blocs de cobalt sans déconner. Voilà. J'ai exploré ici. Ouais. J'ai exploré ici. Les deep slates, c'est horrible car c'est long à casser. Ouais, je pense. C'est pour ça qu'il faut tomber sur du diam, ça peut être cool. De la lumière. Bah c'est là où j'étais. Ah, c'est là où j'ai trouvé l'autre truc. C'est là où j'ai trouvé l'autre truc. Non. Ouais, je peux passer là, nickel. Nickel. Merci Games pour le follow. Jamais test à 1.17 et donc je sais pas. Par contre sur cette pré-release j'ai l'impression que tu génères. Plus il y a de lag spikes, même si tu restes dans une zone déjà chargée, quelqu'un a la même pressentie. Bah parce que ouais, c'est une pré-release, donc bon, c'est pas forcément. Là, ils vont corriger tous les bugs et tout, mais c'est vrai que là, j'ai des gros freeze des fois quand je charge le monde. Donc ouais, faut voir s'ils vont peut-être modifier ça par la suite ou quoi. Faudra voir. Puis c'est bien, ça me permet de m'entraîner un petit peu aussi pour Holy Cube saison 6. Je sais, on commence maintenant à en parler un peu. Ce qui n'est pas plus mal. J'ai déjà exploré ici. Oh mais lol! Ah oui, je retourne sur toutes mes anciennes bases en fait, d'accord. Très bien. En fait, c'est le concept, c'est Back to the Future. Ok. D'accord. Merde. D'accord. Voilà, c'est éclairé, ça va, je peux laisser. Je voudrais du diamant, s'il vous plaît. Et les baisses. Comment ça va, moi? C'est moi ou tu as copié Redtox pour l'idée? Alors non, je n'ai pas copié Redtox parce que j'avais l'idée avant lui. Mais c'est lui qui a lancé avant parce que je voulais continuer à travailler sur une vidéo. Mais en fait, on est le même truc. On aurait quasiment pu faire un live, enfin un truc en duo. Ça aurait été marrant. Mais bon. Mais bon, mais bon. Je trouve que ça perd un peu le principe quand t'es à plusieurs. Ils ont changé le bruit aussi de cassage de la Deep Slate. En fait, elle se casse plutôt vite la Deep Slate, hein. Elle se creuse un peu moins vite que la stone, mais en vrai ça va encore. C'est marrant le bruit que ça fait.
Par contre, j'aurais bien tombé sur un truc avec du diamant. Genre du diamant. Ce serait cool ça, du diamant. Bon, après, c'est 3 fois plus stable que la snapshot de la semaine dernière. Ouais, c'est vrai que les snapshots, c'est encore pire. C'est encore pire. Je suis en train de lire aussi les commentaires et tout. Ah, du fer. Du fer. Petit peu de fer, effectivement. Par contre, j'aimerais bien. Ouais, le diamant, where is it? Where is it the diamond? Ouais, c'est vrai qu'on peut maintenant miner jusqu'à bouche moins 64. C'est tellement long pour. Ouais, vous imaginez, parce que là, j'aurais miné tout droit, mais la remontée, elle serait giga loin, quoi. What is the fuck? Ah, notre premier élément de redstone. De l'XP, de l'XP, de l'XP. Hop, cimer, cimer l'XP. Quel streamer youtubeur verrais-tu comme nouveau joueur sur Polycube 6, pardon. Bah je sais pas. En vrai je sais pas parce que il n'y a pas trop de. Parce qu'en fait, avant Holycube saison 5, ils avaient lancé, Auré avait lancé son serveur créatif, donc pour recruter de nouveaux builders, et Hypierre avait fait un Highstone. Mais là, du coup, vu qu'il n'y a pas de nouveau serveur, bah, je pense que ça va être des nouveaux, enfin, ça va être des gens de, des amis à Auré au niveau du serveur du Super Sama World, donc le serveur du build. Côté Redstone, bah, je pense qu'Hypierre va pas amener grand monde. Donc en fait, je pense que la saison 6 faudra s'attendre surtout à ce que ce soit que des builders, et quasiment aucun Redstoner. Donc on verra bien. On verra bien. Mais je pense que ça peut être sympa de faire des concepts comme on avait fait avec, avec Red au niveau de l'usine à Witch. Ça me plairait bien de refaire des gros projets comme ça. Non. La pioche qui casse, quel plaisir. Ça pourrait être sympa. Non. Hop. Me crafte une pioche. Faut que je me recrafte une pioche. Puis des torches aussi, je crois. Je n'ai plus de torches. Hop. Hop. J'en ai fait, mais merci bien. Merci bien. Hop. Bon, après, j'ai pas besoin de. Bon, je peux laisser faire cuire. Tu me diras, ça va pas changer grand chose. Ça ne va pas changer grand chose. Bon, par contre, le diamant, au secours. Il a pas réussi à trouver du diamant rapidement, Retox, parce que putain, moi j'ai. Je galère. Hein. Je galère. Mais du coup, ouais, je vois pas forcément de. Enfin, j'ai pas de nom de personnes qui pourraient. En fait, à part des amis de des personnes qui sont déjà présentes, je vois pas trop. Moi, j'aimerais bien en fait qu'on ajoute un gros gros vidéaste. Genre le retour de Siphano, des trucs comme ça, vraiment un gros vidéaste Minecraft. Ou alors vraiment un truc qui sort, quelqu'un qui a jamais été invité mais qui est toujours gros, genre. Genre, je sais pas, genre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Enfin, un gros vidéaste, vous voyez quoi. Salut Net, si tu veux le texture pack, je crois qu'il est juste en dessous du lecteur vidéo, t'as un lien genre mon texture pack ou un truc comme ça. Oh! Waouh! Ako c'est beautiful, Ako c'est creeper et aussi. Mais waouh, waouh. Ok, c'est là que la survie commence vraiment. Je peux vérifier. Oh là là. Ouais, les nouvelles. Oh putain, les nouvelles cavernes, elles vont être dangereuses. Vas-y, viens, je t'attends. Vas-y, viens. Chelé. Oh, le pire en plus, c'est quand tu tapes un zombie, t'as tous les zombies qui vont se ramener après. Waouh, ça va être chaud cette game, ça va être chaud. Bon, après, ça va que ça éclaire beaucoup plus, mais. Je préférais aller dans des petites cavernes comme ça, tu me dirais, mais. Pas grand chose là. J'ai peur que le creeper m'ait suivi. Non, c'est bon. Je suis à la couche combien ici du coup? Je suis à la couche moins 33. Donc, normalement, je devrais quand même pouvoir trouver du diamant. Mais ouais, encore faut-il que je le trouve. J'espère qu'Optifine sera sorti hein, pour mieux voir quand même les minerais et tout. Ouais, mon premier minerai d'or. Incroyable. Là-bas, il y a des. Là-bas, il y a une petite araignée là.
Bon, ça va, déjà, il n'y a pas le Warden qui peut spawner n'importe où, donc déjà, ça c'est un peu rassurant quand même. Il y a une grotte qui continue par là. Je crois que j'ai vu du diamant, non? C'est quoi le truc bleu là-bas? On va voir si c'est du fer. Je voudrais bien que le creeper il crève là. Wesh. Wesh. Oh putain, il y a un squelette. Ouah. What's up? Ouais, putain, ça va être dur par contre les survies comme ça. Ah bah ils sont en train de se fight. MDR. Bah allez-y, fightez-vous. Hein. Qui c'est qui va gagner? Ouais, c'est le zombie qui a gagné, trop bien. Trop trop bien. Hop, merci. J'aime pas trop aussi cet endroit là. Ah, du tuf. Du tof, je sais pas comment on dit. C'est comme nouveau serveur qu'il y a FTP, il y a plusieurs de ces joueurs d'FTP qui sont pas sur les cubes. C'est vrai, mais je pense pas qu'ils seraient rejoints. En fait, les joueurs modés en général, quand tu les vois, ils font que du modé. Donc c'est-à-dire que le Vanya, il joue pas trop. Genre Alka qui avait rejoint cette saison, bah au final, il a pas beaucoup joué énormément. Quoi. Après, chacun joue avec le temps qu'il a. Hein. Je ne dis pas le contraire. Tac. C'est marrant comme toute cette nouvelle caverne et tout. Putain, j'ai pas récupéré le charbon qu'il y avait dans mon four. On va y faire récupérer ça. Bon bah pour l'instant ça va encore. Et c'est vrai que ouais, j'ai tellement hâte que les cubes commencent et que là on aille tous dans une grosse grotte comme ça. On est tous en mode allez let's go. Let's go les gars. Ça va être trop bien ça. Magnifique mon petit truc d'or là, le raw gold. Trop beau. Vous vous souvenez de l'archéologie? J'ai trop hâte qu'ils ajoutent l'archéologie aussi. C'est vrai qu'il y a une IA update où les mobs agissent plus en groupe et arrêtent de se frapper entre eux, et genre quand on en tape un, écarter les autres, ils arrivent en groupe. Ouais. Bah, augmente un peu la difficulté, c'est vrai que Minecraft n'est pas non plus un jeu extrêmement difficile. Bon, après, c'est surtout aussi parce qu'on a l'habitude d'y jouer. Hein. Pour quelqu'un qui débute le jeu, c'est un peu compliqué déjà de base. Regardez-moi tout son nombre de zombies qu'il y a là-bas, là. What the fuck? Une flèche. Que j'ai pas récupéré d'ailleurs, bon tant pis. Récupère un peu de redstone. Hop. Un petit peu de redstone. Ah bonjour. Ah oui. Ah oui, toi t'es motivé. Merci. C'est l'air de continuer par là. Ah oui, mais ils sont pareils, ils se cassent la gueule, quoi, ils en ont rien à foutre. Bonjour, bonjour, bonjour. Au revoir. Alors je suis pas spécialement fan d'être en dessous de ça, mais bon. C'est de se déplacer un peu vite. Y'a rien, d'accord. Là, y'a un creeper qui me tombe de là-haut, je suis mort. Hein. J'ai pas le temps de réagir, il m'a déjà vu. Je crève. Je crève instant. Dommage qu'ils aient pas ajouté un petit datapack qui permet. Qui permet d'avoir. Bon, y'a pas de minerai. Ah oui, mais c'est vrai que les diamants ils se génèrent plus au niveau de la truc, faut vraiment creuser comme un débilos. C'est vrai, je suis en train d'essayer de chercher du diamant comme ça, mais c'est vrai que ça marche plus comme ça maintenant. Faut creuser comme un débilos. Oh la tristitude. J'ai pas mal de fer, hein, parce que j'ai vraiment besoin de me faire chier à miner ça. Ouais, on compte ça au cas où, on se taille. Taille au messieurs. I want diamond. I want a diamond. Toujours des mobs là-bas là. Est-ce que le glowlition il nous. Non, les glowlition ils nous ralentissent pas, c'est bon de savoir ça. Il y a là-dedans aussi que j'ai pas fouillé, mais de toute façon, ouais, vu que le diamant se trouve pas comme ça, faut vraiment le miner en ligne droite. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose d'intéressant. C'était du fer que j'avais vu. Je comprends mieux. Ouais, il y a rien. Et il y a rien. Loupé. Nickel. Ok, bon, bon, on va les miner. On va les miner comme un débilos alors, hein. Let's go. Let's go les gars. On va boucher là, là. Pour dire, ok, si tu veux ressortir dans une grotte, il y a là. Et nous, on va miner par là. Le plaisir. Ika a fait du modé, mais pourtant il a joué autant que Magic Knop. C'est vrai, mais il avait pas vraiment de projet à lui, Ika. Je pense que Ika il s'amuse vraiment plus en modé qu'en Vanilla. Il y a des joueurs comme ça. Hein. Moi je connais pas certains crafts, surtout pour ceux en 1.7. Bah en 1.7 il y a des crafts de toute façon, des fois, genre le spyglass ça a été amusant 2 secondes, on va en crafter un
dans notre première aventure, mais après, est-ce qu'on va vraiment s'en servir? Je suis pas spécialement sûr. Je suis pas spécialement sûr. Tu peux en avoir visible en grotte, mais c'est rare, Golden. Je suis pas sûr, si. Il me semblait que c'était vraiment que faut miner. Ou alors c'est peut-être parce que ça génère, parce que c'est un bug. Mais il me semble que maintenant faut vraiment miner en minage intensif comme ça, quoi. Ouais, Twitch, ils abusent par contre au niveau des pubs, hein. Ils abusent complètement, 4 pubs c'est énorme. C'est dommage que Twitch ils fassent pas comme YouTube, ils mettent un petit encart publicitaire dans un coin ou quoi, ça serait tellement mieux. Ouais, s'en servir autant de fois avec une certaine musique. Enfin, je pense que ouais, clairement c'est la seule utilité. Hein. Putain, mais Ah oui, ça va, j'arrive bientôt au fond. D'accord, c'est moi sûr. Donc 64, faut que je couche. Que je couche. Oui, tout à fait. 64, je sais pas justement à quelle couche faut que je mine vers la couche. Parce que là, normalement, je suis censé miner. Attendez, je vais faire la calculette, ça va être 20 fois plus simple. C'est. Faut que je désactive aussi mon raccourci de musique. Voilà, parce que sinon, ça te fout le bordel. Parce que là, on a la couche moins 64. Et si je fais moins 16, du coup j'en arrive. Non, faut que je fasse plus 16. Moins 64 plus 16, du coup faut que je mine à la couche moins 48 pour être au maximum de mes potentiels de chance, normalement, je pense. Salut Willop. Je vais juste faire un petit coucou, je prends le train pour aller à mon internat, du coup je peux pas regarder ça live. Pas de soucis. Pas de soucis, Benoît, et coucou à toi. Le problème c'est que vers 0 c'est la bedrock, donc c'est chiant de devoir monter et tout. Je pense qu'il doit en avoir partout de diamants. Non. Ça me permettra de voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que le diamant, j'ai pas forcément trop l'habitude de tester cette méthode de minage maintenant avec l'1.18 et une nouvelle caverne. C'est vrai que si je peux avoir du diamant, j'irai pas non. Je pourrais pas mettre de petite playlist en fond. Bah l'avantage de qu'un streamer ne met pas de musique, c'est que vous pouvez choisir vous-même les musiques. Par exemple, il y en a qui vont faire le métal, d'autres peut-être des musiques plus tranquilles, d'autres du classique. Enfin, ouais, je prends des extrêmes, mais il y a peut-être des gens qui veulent écouter ça. Hein. Moi, c'est un petit avantage. Je sais pas, c'est vrai que je pourrais, mais j'aime bien aussi laisser les gens choisir ce qu'ils veulent mettre comme musique. Fait, je trouve ça dommage que le diamant soit plus. Bon, finalement, je trouve plus ça dommage. Attends, j'aurais dû. Ah non, j'allais dire, j'aurais dû garder la fortune, mais ça va. Mais dites-moi qu'il y en a plein. Bon, par contre, c'est un peu dangereux ce que je viens de faire, parce que s'il y avait de la lave en dessous, j'aurais été complètement niqued. Hop. Non, mais c'est bon, les blocs là. Voilà, merci. Les diamants. Il n'y en a que 4. Ah. T'as aucune logique, par contre. Ok, je pense que là j'ai juste eu de la chance parce que what the fuck le filon. Ouh, c'est incroyable. Est-ce que je tente la technique Je prédis qu'il trouvera du diamant en moins de 15 minutes. J'avais raison, j'avoue. Je sais pas si ça marche encore la technique comme avait Matox. C'est-à-dire que normalement le premier enchantement qu'on fait au niveau 2, on a fortune dessus. Et je sais plus exactement comment ça marche. Ouais, je sais pas m'emmerder, hein, vous savez. Au pire, j'irai reminer. Hop. Hop. Voilà. Il n'y en a pas d'autres en dessous des fois que? Non, ok. Putain, 12 diamants en un seul filon. Oh putain. Oh putain, c'est stonks. Nice. En plus, je sais que j'ai du diamant là-haut. Donc, enfin, du diamant, de la lave là-haut. Donc, ça, c'est très bien. J'ai des couches 48. Enfin, moins 48. Moins 48, ça devrait la couche 16 avec les nouvelles coordonnées. J'aurais peut-être même dû miner un peu plus bas, mais bon, ouais, je vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, le four, je peux le virer, ça me sert à rien. Let's go, les gars!
Non, non, pas la technique de la clé, la technique de pour la fortune. On peut pas séparer le sol. Le son du jeu et ta voix sur notre Twitch. Je sais pas si. Je sais que pendant un moment Twitch le faisait. En tout cas pour les créateurs, pour avoir deux pistes audio différentes, mais je sais pas si pour vous ça peut le faire ou pas. J'avoue que ça pourrait être pas mal comme truc ça. Oh, vous voyez, ma pioche elle est un peu cassée du coup. C'est la première fois que je casse des éléments dans Minecraft avec mon pack depuis la dernière mise à jour. Incroyable. Incroyable. Il me semble que la couche la plus optique en point de vue c'est moins 50 ou moins 55. Oui, après c'est plus tu mines bas normalement et plus t'as de chance d'en avoir. Cool, ma. D'ailleurs, je peux dormir. Non, mais. Ah, c'est bon. Pourquoi il. Dors sur moi. Oui, il m'a droppé des trucs, il m'a droppé de la ficelle. Trop bien. Mes patates ont poussé, c'est bon à savoir. Hop. On va mettre ça là-dedans, on va mettre ça là-dedans, on va mettre ça là-dedans. Qu'est-ce que j'ai tout à miner? Rien, je crois. J'avais pas d'eau de fer, j'ai machine tout le fer. Ok. Tant mieux. Tac. Ah, j'ai du copper ingot. Putain, j'ai eu que quelques niveaux avec 41 de copper ingot. Donne le futur Looney. Looney, 5000 jours en hardcore. 5000 jours? What the fuck? What the fuck? Ouais, j'ai du fer, je peux peut-être faire des trucs avec. Tac, hop, 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 hop. Une petite enclume. Déjà, on va commencer l'aventure avec un truc logique. Voilà, coucou Luma. Ensuite, deuxième chose, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça. Et je vais me crafter surtout, hop, au revoir, une pioche en diamant. Comme ça, avec la pioche en diamant, je vais pouvoir aller chercher de l'obsidienne et donc me faire une table d'enchant. Ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, je m'occuperai du champ une fois que ça sera fait. Et après, on sera pas trop mal en vrai. Pour un premier stream, j'ai pas pris un seul dégât. J'ai une maison, j'ai trouvé du diamant. Là, je vais pouvoir accéder à l'enchant. C'est pas mal encore. Attends, il y avait des petites cultures là, j'avais même pas vu. Il y avait du blé. Oui, il y a des carottes aussi. Carottes, c'est pas mal en vrai. Je vais laisser pousser ça, je viendrai récupérer ça une prochaine fois. Donc, il y a toujours l'arbre qui est en feu là. It's burning! It's burning! Je pourrais mettre aussi le portail du Nether ici. C'est vrai que je pourrais. J'ai pas le meilleur. Ah si, j'ai un emplacement là-bas pour faire un portail du Nether. Mais je sens plus de la méthode qu'il faut faire. A chaque fois que je la révise, mais à chaque fois je l'oublie les méthodes du Nether. C'est horrible. Tac, tac. Hop. J'ai eu peur. J'avoue, j'étais pas serein. Allez, on casse. En fait, pour avoir du diamant, un point de vide, c'est plus tu mines bas et plus t'as de chance d'en avoir. Donc vraiment, si tu mines un peu plus au niveau de la bedrock, normalement, t'es censé avoir le plus. J'ai pris moins 48. En fait, normalement, c'est la couche 16 avant que tu avais du diamant. En dessous de la couche 16. Donc, je me suis dit, bah, je fais moins 16 à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus rentable. Mais j'ai juste eu de la chance, en fait, hein, clairement. Clairement, clairement. Poum, tout, poum, tout, poum. Let's play YouTube ou juste en live? Juste en live. Juste en live, il y aura les rediffs par contre pour celles et ceux qui veulent voir un peu comment je me suis débrouillé, mais voulez-vous, ça sera juste en live. Hop, hop, hop. On pourrait tenter d'aller dans le Nether aussi vite fait juste pour voir à quoi il ressemble. Salut l'Iron Golem, salut à toi, salut à toi. Hop, tac. Bonjour. Hop, on va remettre ça là. C'est chiant que le truc il prenne autant de place là, le machin. Du coup, hop, il me faut du cuir. Le cuir, il me faut ça. 1, 2, 3, nickel. Je vais peut-être aussi planter ça, ce serait pas trop mal. Planter ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ça sera déjà pas mal. Tac, tac, un petit bouquin. Hop, tac, et les deux petits diamants. Pouf, la table d'enchantement. Trop bien.
Là, il est déjà cassé mon enclume, j'ai juste fait un truc de. Bah, vache. Pas très rentable, hein, tout ça. Je sais pas trop où la foutre. Sais vraiment pas où la mettre. Ça fait rouge comme ça reste dans le thème. Par contre, j'ai eu du lapis ou pas? Oui, j'en ai eu. Ah oui, j'en ai eu dans le coffre. Dans le coffre. L'efficience sera déjà pas trop mal. Après le reste, j'ai 7, je pourrais me faire un pantalon. Ça pourrait être bien, tu me diras déjà de faire un pantalon. C'est après, est-ce que je peux en faire autre chose du diamant? Je crois pas, hein. Un truc intéressant. Non, y a pas vraiment grand-chose d'intéressant avec ça. Pas grand-chose d'intéressant avec ça, donc hop, on va faire un petit truc en diamant. Pouf. Cover me with diamond. Oh yeah. Protection, parfait. Ah, parce que de toute façon j'ai pas 50 000 lapis, donc on va faire des économies. J'ai vraiment pris zéro dégâts quoi, même l'armure n'est pas cassée. Ah, j'aurais dû garder de l'or pour faire un bloc de raw gold qui est tout beau. Tout beau, tout propre. Hop, on va virer ça, on va virer ça. Du coup, on va ramasser de la dirt. C'est drôle, j'ai eu la même idée, j'ai commencé il y a un jour. Enfin, moi, c'est en ultra hardcore. Ouais, c'est en ultra hardcore aussi. C'est-à-dire que je ne régène pas de ma vie naturellement. C'est en hardcore et ultra hardcore. Donc, si je meurs, c'est la fin. Hop. Fais chier ce bloc. Salut. Salut, mon pote. Ok. Du coup, tac, 1, 2, 3, 4. Normalement, c'est ici. Non, 1, 2, 3. Oula, du coup, c'est là. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est là. Tac. Ah, c'est le villageois. Je me suis dit, putain, je vois un truc bleu clair. Je pensais que c'était un mob avec un truc en diamant. Puis d'un coup, je vois le truc, je suis en mode ok. Je creusais trop loin là en fait, non? C'est là que le truc il est. 1, 2, 3, 4. Ah oui, non, donc je me suis gouré ici, ok. Ça me rassure. Et puis là, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, tout ça, c'est bon. Faut de la dirt. Il me manque un. Merci. Hop. On va faire ça. Chez bouclier. Bon, ok. Nickel. Et après, bon, j'ai pas fortune, mais hop, on va récupérer tout ça. Ça pousse pas très vite, toutes ces petites patates là. Bon, ça va, j'ai déjà de quoi faire pas mal de bouffe. Donc en vrai, ça devrait bien se passer. C'est cool. Ok. Tac. Fermé là, parce que je laisse tout ouvert moi. Garde l'or pour trade avec les piglins. C'est vrai que je pourrais. Ouais, faudrait que je garde ça pour les piglins, ça pourrait être pas mal. Du coup, j'ai pas. Ah si, j'ai des petites bottes en or. Fait, je me tenterais presque à faire un. J'ai une poisonous potato, ça. Lol. Je me tenterais bien quasiment de faire de la pêche la prochaine fois qu'il pleut. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Bon, là ça va pousser tranquillement. Touk. Il faut des potions, c'est vrai qu'il faudrait des potions aussi. Ok, bah bonne chance, merci. Là en fait j'hésite, est-ce que je vais dans le Nether juste pour voir à quoi ça ressemble? Ou est-ce que je pêche pour essayer d'avoir des bouquins complètement broken? J'avoue que je ne sais point. Déjà, je pourrais peut-être essayer d'éclairer dehors. Je vais virer cet arbre aussi qui me fait chier, qui me sert à rien. Casse-toi l'arbre. En point 18, le Nether va jusqu'en moins 64 ou pas? Non, le Nether n'a pas été modifié. Le Nether n'a point été modifié. Je paye 50 000 torches, alors j'ai pas besoin d'en mettre autant. J'éclaire juste vite fait histoire que les mobs ne spawnent pas trop proches non plus ici. Du coup, les lanternes, ça a vraiment quelque chose maintenant vu qu'elles éclairent énormément les alentours. Ça, c'est bien en vrai. Hop. On va mettre aussi derrière la maison là, comme ça spawnera moins. Voilà.
Voilà. Et puis une là. Nickel. Touc. Là pour ranger ça. Au pire, je cherche un igloo. Igloo, ça va être compliqué. La pêche, c'est mieux que le nether. Soit il meurt pas, je gagne un sub. Pêche est plus rentable. Je pense que la pêche est plus rentable en vrai. Hein. J'ai plus de chance. Bon, après, c'est random aussi, mais ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Tiens, Luma, viens avec moi. Ça me stresse que les bruits des portes sont à l'envers. Trop bizarre. Où petit Luma. Alors, peut-être dû dormir avant, hein, parce que je crois que le soleil se couche. Ouais. Ce soleil va pas tarder à se coucher. Je vais dormir comme ça me permet avec Luma de gagner un truc supplémentaire. Même s'il n'y a pas des items de ouf non plus, mais bon. Ça, je peux virer. Ah, il y a la canne à sucre aussi, il faut que je plante. Pourquoi ils ronronnent, Luma? Mais c'est pas l'heure de dormir, Luma. ASMR. Il y a que ces petites patounes. Regardez-moi ces petites patounes, comme elles sont trop mignonnes. Bref. Bref. Ah oui, je voulais dormir. Donne-moi un item. Il m'a pas donné d'item. C'est l'écho. Et du coup, si dans les advancements, je vais peut-être essayer de les faire. Ça pourrait être pas mal. Bon, ça va, j'ai déjà fait quelques-uns. Ici aussi. Minecraft. Bon, t'as envie de dormir, Toluma, d'accord. Bon, bah, dors. Dors, vas-y, dors. Ah, c'est chiant, par contre. Ouais, les biomes froids, mais qu'est-ce que c'est chiant aussi pour ça. Je peux planter des trucs là, ça va machiner. Ou alors faut que je les plante là. C'est de la pactesse ou de la glace normale ça? Je vais mettre ça. En fait, faut que je mette ça là. Cassez-vous les blocs là, cassez-vous. Voilà. Ah si, il m'a donné un rabbit hide. J'avais pas vu. Trop gentil, Luma. Trop gentil. Merci. Hop. Voilà, ça me permettra d'agrandir un peu ma table d'enchant. Puis on peut pêcher un petit peu, non? Ça pourrait être sympatoche. Louf. J'ai pas mis des particules d'ailleurs. Je vais pêcher un petit coup et puis à la fin on ira voir vite fait le nether à quoi il ressemble. Ça permettra un petit peu de discutailler. J'ai failli louper mon poisson à cause de toi, Luma. Hein. J'espère que tu es conscient. T'en es conscient, j'espère, hein. Non mais oh. Tu peux pas faire des soupes suspectes de résistance au feu, juste au cas où. C'est vrai que je pourrais. Je me souviens plus quelle fleur c'est. Putain, j'ai tellement de choses à réviser sur Minecraft, il y a plein de trucs que je me rappelle plus. Genre ça serait ultra intéressant à savoir. La pêche est surtout pour éviter que tu crèves dans le nether pour pas que je perde mes points Luma. De toute façon, ça permettra aussi qu'on puisse explorer le nether en entier durant la prochaine fois. Mais déjà j'ai du diamant, c'est bien, donc après faut que je fasse des enchantements un peu plus gros, ou alors que j'ai directement des bouquins qui m'ont pété. Là en gros la première étape c'est d'avoir une canne à pêche enchante, comme ça j'aurai plein de trucs, et une fois que j'enchante ça, bah, une fois que j'aurai la canne à pêche enchante, la prochaine fois que je pêche, ça va être stonks. Je pourrais chercher un igloo, mais le problème c'est que les igloos c'est plutôt dans les plaines enneigées. Par contre je suis quand même dans un monde qui est quand même assez froid hein, en termes d'environnement. J'ai que des trucs froids, tout le temps. Là, mange du poisson. Incroyable. Et là, je vais pêcher un super bouquin d'amour qui tue. Insane. Et nous sommes à 6 millions. Nous sommes à 6696 followers. Dans 3-4, on arrive à 700. Incroyable. Je crois que les fleurs blanches, c'est régène et les soupes suspicieuses. Pour les soupes suspicieuses, Golden. Je crois, ouais, c'est les Daisy, je crois. Oxyde Daisy. Donc c'est Daisy, je sais plus exactement. Il me semble que c'est ça. Non. Il me semble. Merci Titou.
Merci beaucoup, bienvenue. Oui, c'est ça, ok, donc ces petites fleurs blanches. Maluma, t'as entendu? Va me chercher des trucs, hein? Vas-y. Michael donne ta raison, c'est bien. Non, mais c'est qu'en fait, vu que YouTube ils ont modifié leurs chiffres, maintenant c'est tout est petit. Alors, du coup, à chaque fois, je suis en mode putain, c'est combien et tout. C'est compliqué. Oh oui, il pleut! Oh, Stonks! Oh, j'ai Gastonks! Quand il pleut, ça va plus vite la truc. Il faut qu'on récupère! Let's go! Allez, il faut qu'on se dépêche. J'aurais peut-être pu enchanter la canne à pêche, tu me diras aussi. Je pêche un poisson et je vais enchanter après. C'est pas un allay. Va chercher, Bluma, va chercher. Bon, le poisson, c'est censé aller plus vite hein, sous la pluie, hein. Allez, let's go. Let's go, les gars. Allez. Putain, super, un nénuphar. Trop bien. Bon, j'ai enchanté ma petite canne à pêche vite fait. Hop. Ça, c'est bien, les patates, elles ont le temps de pousser. Salut, les gars. Salut, les gars. La pisse. Tac, tac. Un backing. What? C'est quoi ce bug? Je vois pas ce que ça me drop ici. What? What is this bug? Bah non, ça m'a. Ah, ça, c'est un bug de pré-release, ça, parce que là, pour le coup. Bah, du coup. Ah, je peux même pas cliquer dessus en fait. What? What is the fuck? Ah oui, c'est quoi ton broken? Ah oui, bah du coup, j'ai un breaking, bah super. Ah, c'est rentable, mes 3 pauvres lapis que j'ai utilisés pour ça. Aïe aïe. C'est pas grave. Ils auraient dû mettre aussi la température quand on est dans un biome froid comme ça dans l'eau. Ça aurait été bien aussi. Hop. Flouk. Donc du coup, ouais, dans l'aventure, après les... Alors, les objectifs principaux, ça va être bien évidemment d'aller dans l'End, donc faire l'aventure classique. Ça va avoir... d'avoir un stuff en netherite, tuer le Wither, tuer le Elder Guardian. Ça va être aussi de compléter tous les achievements. Donc voilà, je pense qu'il y en a quand même pour un bon bout de temps. Puis surtout si ne pas crever, hein, ça me paraît très logique. Ça paraît très logique. Non, ça reste dans la tête, cette musique. Baluma a disparu. Il n'a pas voulu revenir, bah super. Je comptais sur toi, Luma. C'est honteux. Ah, j'aurais bien une petite canne à pêche enchante là, des petits trucs sympathiques, ça pourrait être cool. Parce qu'en plus, j'ai déjà un Brewing Stand là-bas, hein. Juste à besoin d'aller chercher de la Nether Wart. Donc, suffit que j'en tombe sur un. Comment on appelle ça? Sur un truc de piglin, juste avec de la Nether Wart. Puis c'est bon, hein. Et puis c'est good. Faut que je sache par contre qu'il n'y a pas un trident parce qu'il y a un mec qui me sort un trident d'un coup, j'étais en mode what the fuck. What the fuck, dude? Allez, on veut des bouquins. Des bouquins super bien enchantes. Et aussi des petites cannes à pêche enchantes, ça pourrait être cool. Mais du coup, ouais, Red disait ouais, tu vois, c'est super dur et tout. Pas du tout. C'est trop easy. C'est trop easy. Ouais, un bastion, c'est ça que je cherchais. Dans les bastions, on peut tomber des fois sur des verrues du Nether. Soit j'ai un breston de là-bas, d'ailleurs, faudrait que j'aille le récupérer dans l'église. Il faut aussi de la poudre de blaze. Ah oui, c'est vrai qu'il faut de la poudre de blaze pour l'alimenter. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faudra quand même que j'aille me frotter contre des blazes. Après, si je récupère de la poudreuse en général, c'est vrai que je pourrais faire ça. Hein. Après, je crois que le blaze il perd directement le truc. C'est vrai que je pourrais faire de la poudreuse là. Hein. Je mets un chaudron, il y a de la neige, hop, poudreuse et puis let's go. Toujours plus. Let's go. C'est posé, Zeus. Comment ça va-t-il? On veut des bouquins, on chante.
S'il vous plaît, des bouquins en chance. Let's go. Mais non, mais pourquoi il me donne ça là, des pufferfish? On a foutre des pufferfish. J'en ai rien à foutre. Ils sont bizarrement découpés des fois les trucs, hein. Genre là c'est coupé net. Tu vas faire le succès, comment sommes-nous arrivés là? Bah du coup oui, si je fais tous les succès, ça il sera compté dans le truc. Donc ouais, ça va être compliqué à faire. Oh! Non mais la probabilité que je tombe sur ça quoi. MDR. Ça existe les soupes de résistance au feu? Oui. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est con qu'ils ont pas ajouté la les soupes de chance. Ça aurait été trop bien, genre avec un truc de Wither, plutôt que bah non, Wither il est déjà utilisé. Genre une des fleurs il l'ajoute et puis ça met chance, lock, l'effet de lock. Ça serait cool en vrai. Petite canne à pêche mending. Incroyable. Espérant que j'ai autre chose là, parce que bon ça serait bien tout de même. Encore cet effet inutile. Mais non, il est trop bien. L'effet de lock. Il pleut. Il pleut. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur cet effet pour voir les avantages et tout que ça avait. C'est vrai, c'est vrai. Un petit nénuphar. Ils sont marrants les nénuphars, il y a des trucs comme ça. Vivement des bouquins. C'est quand le prochain des questions bêtes Minecraft? Je vais essayer d'en sortir un prochainement. En fait, ce que j'aimerais, c'est sortir l'épisode de. Enfin, tu me diras, les questions bêtes, je vais peut-être le sortir avant. En fait, ce que je prévois, c'est de sortir les questions bêtes Minecraft. Ensuite, le 5 légendes de Minecraft. Ensuite, je finis Holycube avec les 3-4 derniers épisodes qui me restent. Et ensuite, peut-être FTP. Et après, je vais peut-être essayer de faire auto. Ça me paraît pas mal. Sans beacon, on peut avoir résistance ou pas? Résistance. Tu peux l'avoir avec les pommes d'or. Non. Non. Mais sinon résistance, je crois que tu peux peut-être l'avoir avec un effet des potions. Je suis pas totalement sûr, donc faut avoir. Mais il me semble que normalement ça devrait être possible. J'aurais bien dormi, le problème c'est que ça m'enlèverait la nuit, donc enfin la pluie. Donc bon, ils ont qu'à se faire bouffer les mobs. Ils se débrouillent. Salut Polar, merci à. Enfin, merci pour ton follow. Et bienvenue. Coucou à toi. Enfin, t'es capable des fantômes là. Bon, j'ai dormi il y a pas longtemps, donc normalement ça devrait le faire. Allez les bouquins. Je veux des bouquins. Nightbot il a pas d'amis ou quoi? Il spam les messages dans le chat depuis tout à l'heure. C'est longtemps que j'ai pas eu de message de Nightbot moi. Genre je l'ai pas eu. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc bah j'essaie d'à peu près sortir dans cet ordre là, ça me paraît pas mal. Ouais, un petit poisson. Essayez, nous sommes à 6700 followers, merci à tous. Et merci à, en particulier à Shubaki. Game. Chouba calme, pardon. Ouais, c'est bien. Chouba calme. Pour l'ultime follow des 6700. Allez. 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 Ça va avoir des poissons là. C'est bien, j'ai eu mending, mais je vais avoir autre chose que mending. Surtout qu'en plus, ça me drop pas d'XP, c'est chiant. Luma n'est pas revenu, on notera qu'il a voulu rester chez lui. Ils sont pas les steaks. Ils sont pas les steaks. Et du coup, voilà, du coup, vous en pensez quoi de cette petite série? Est-ce que ça vous plaît? Ou quoi? C'est vrai que j'avais longtemps hésité en me disant est-ce que je lance un truc et que ça va pas faire une espèce de sur 1.18 alors qu'il y aura l'équipe saison 6 qui arrivera dans un mois ou deux peut-être. Donc je sais pas. Je crois que la potion de maître tortue donne résistance. Oui, elle donne aussi résistance, effectivement, la potion de maître tortue. Mais quasiment personne l'utilise.
D'ailleurs, ça pourrait être un espèce de question bête Minecraft, ça. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que cette potion peut vraiment être utile? Genre, par exemple, si tu mets avec, si tu combines ça avec speed, est-ce que ça peut vraiment être cool ou pas? Pour l'instant, voir un mec pêcher pendant des heures, non. Oui, bon. Moi, ouais, je trouve ça sympa, parce que, enfin, c'est plus sympa quand t'as une grosse canne à pêche là. Là, t'as plus de chances d'avoir des bons bouquins. Donc bon. Après, on va aller voir du côté de Nether parce qu'il y a. Ah, les mangas. Ah, les mangas. Ah, les. Ah, les mangas. Ah, les mangas. Ah, les. Je suis satisfait de ce contenu vidéoludique. Incroyable. Bon, tu. Non, oui, non, le mob. Oh là là, elle est tellement bas. Bon, allez. Je fais un dernier essai et après on va dans le Nether. Mais du coup, ouais, j'ai pas eu grande difficulté pour le moment. En fait, la seule difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai failli me prendre une cave spider au bout d'un moment. C'est con que je rentre parce qu'en fait il pleut, j'aurais dû profiter vraiment de la pluie à fond, mais bon. J'ai une canne à pêche mending, je vais pas m'en plaindre, c'est déjà pas mal. Ah, tu spawns comme ça, toi. J'ai du fer aussi. Moi que je vois là. Hop. Ah, on va voir si ça tombe là-dedans. Non. Donne-moi des trucs. Il m'a rien donné. Non, il m'a rien donné. C'est honteux. Donc une fois il va live pendant des heures en train de pêcher. Bah ça pourrait être cool un petit live pêche. La potion maître tortue c'est la seule potion craftable pour avoir résistance. Oui. Je trouve ça cool car ça change des trucs en multi même si c'est le même genre d'aventure en espérant pour toi que les mages jusqu'à 1.18 final ne cassent pas ta map. Bon je pense normalement ça devrait pas trop la casser. En général dans les trucs comme ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Hop on va prendre un petit truc d'eau. Ah bah oui du coup il a arrêté de pleuvoir. Hop on va prendre ça au passage. Ok, let's go. Salut Damien. Merci également pour ton follow. Et merci aussi à Creeper. Creeperman pour ton follow également. Oh, un renard des neiges. Putain, c'est tellement rare. Je crois que c'est la première fois que j'en vois. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il court. Il court. Il court plus. Oula. Oui, bonjour. Je peux pas l'adopter, je crois que je peux lui donner à bouffer et je l'adopte, non? Mais viens, il récupère mon poisson. Il aime pas le poisson. Il est trop mignon. En général, c'est toujours les renards oranges que je vois. C'est vrai que les renards des neiges, j'en vois quasiment pas du tout. Je crois que c'est le premier vraiment que je vois en survie. Je crois que même dans l'auto, j'en avais pas vu, il me semble. Ah bah j'avais déjà de l'eau ici. Est-ce que je m'emmerde vraiment à faire tout ça là? Tac, je me rappelle plus trop comment on fait déjà. Faut faire comme ça, ensuite on fait comme ça. Voilà. Ensuite, il faut faire une structure, mais je me souviens plus laquelle. Est-ce que c'est pas un truc du genre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Y a pas un truc comme ça, non? Non. C'est pas ça. Je me rappelle plus comment on fait. Bon bref, c'est pas grave. Tac. Pouf. Bon, on va faire à l'ancienne, hein. Ça, c'est con, à chaque fois, j'arrive jamais à me souvenir comment on fait, hein. Hop. 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 Bien, je peux le garder là, le truc, c'est-à-dire 20 fois plus vite. Hop, hop. Là j'aurai besoin de ça, merci. Voilà, et on va mettre le dernier là. Hop. Hop. Nickel. Évidemment, j'ai pas pensé à prendre de trucs pour allumer le portail, c'est évident. Non. Salut Blou Blou,
Enfin, bleu blue. Ah oui, c'est des baies pour les adopter, les renards. J'en ai pas vu des baies d'ailleurs. Il court, le petit renard, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah bah, j'ai Luma qui vient de se TP, je sais pas pourquoi il s'est pas TP avant. Il est un peu bizarre ce chat des fois. Hein. Bonjour à tous. Hop, hop, tac. Ça, merci. Bon, il m'a peut-être fait un briquet. Il fait 2x4 là. Mais quoi? Ouais, je l'avais vu en plus cette vidéo de comment faire un portail, mais je me souviens jamais de où il faut positionner les blocs. J'aimerais bien refaire du speedrun aussi, mais le problème c'est que. Enfin, ça a des mods et tout. Enfin, c'est chiant. Toute une installation pour faire des trucs. C'est chiant. Hop, allons. Allons die dans le nether. Ah oui, c'est vrai que là, du coup, il est un peu. Ouais, je vois ce que tu veux me dire. Ouais, ça me saoule. Je crois que de toute façon j'ai qu'une source de lave. Ah non, j'en ai d'autres. C'est bon. Je peux la risquer alors. Voilà. Non. Bon. Hop. Magie, magie. Allons crever dans le nether. Le coucou, mon train ne va jusqu'à destination, mais c'est la grève. On essaie bien de me mettre en place un bus. Je vais. Attends, deux secondes. Putain, un peu de pu. Wesh. Oh putain. Oh putain. Bonjour. Messieurs, bonjour. Oh, Warped à côté. Stonks. Et là, il y a quoi? Je sais pas. Bon alors, il y a du Warp là-bas, il y a du Crimson là-bas. Mon lycée vient de mettre en place un bus, mais je le réveille. Ah oui, d'accord. Effectivement. Effectivement. C'est pas très stonks. Là il y avait un gros piggy là. Gros piggy. Mais je suis super haut dans le nether aussi là. Waouh, ouais. La prochaine fois il explorera son nether, ça va pas être très fun. Hein. Clairement. Et du coup si je drop. Non, ça me donne des pépites. Du quartz ça peut être bien, mais Osef pour l'instant, glowstone pareil. Ouais, je vais mettre un peu plus grand, tu me diras aussi. Hop. J'ai l'impression d'avoir un grand chunk, je vois quasiment rien. Ça manque Optifine avec l'anti machin. Ah, il y a un ghast, salut le ghast. Venir le ghast. Va bien. Tu veux pas de battre? Honteux. T'as pas peur toi de rester AFK dans les heures? Ah, j'ai peur de rien moi. Je suis un bonhomme. J'ai peur de rien. Sauf du piggy, quand je l'ai vu, je commence à courir. Putain, par contre, le nether. Oh là là. Pff, tu te casses la gueule, tu meurs. Hein. Ça, c'est quasi sûr. Bonjour à tous. Je voudrais passer par là. Putain, sacré. Sacré chute, hein. Là-dedans. Pas de forteresse en vue par contre, hein. Un peu triste. Oh putain de Samy. J'avoue que j'ai eu un peu peur. Chez lui. Mais merci. Ok. Ça m'intéresse. Par contre, témoin d'un doute, mais ça se plante pas sur le. Ouais, ça se plante pas sur le laser, c'est ça. J'ai raison. Ça peut être pas mal en vrai d'avoir ça. Bon, en vrai, j'ai pas si touch. Ah, si, j'ai si touch avec la pioche en or. Faudra pas que j'oublie ça la prochaine fois qu'on fera un live. Ça permettra de faire
un peu peur au Piggy. Au Piggy Piggy. Ouais, par contre, le Nether, waouh, comment. Putain, c'est. J'ai toujours des chances incroyables avec les Nether. Faux! J'ai toujours des Nether les plus pourraves possibles au monde. Bonjour, monsieur l'Enderman. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ok, ok, ok. Y'a rien dans ce biome. Y'a rien du tout. Par des gros trous. Ça peut être pas mal aussi pour MLG. Je sais pas si j'aurai le réflexe, mais dans le doute. Ça peut être pas mal. Putain de sa mère, je vais glisser. Ouais, y'a rien. Je pense que le Nether, ça va être une exploration. Comment dire? Très fun. Très très fun. Ça va être. Waouh, wow, on va se marrer ça. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Oh là là. Ouais, ou alors faut peut-être que je pars plutôt du côté du Piggy. Mais bon, j'ai un peu la flemme, je vous avouerai. Fini l'après-midi. GG 2h gold, j'ai toujours cru en toi. Merci Joe. Merci Joe. Pour l'instant, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Ah, par contre, ça descend par ici, c'est bon à savoir. Ouais. Je pense qu'il y a plus de chances que j'aille de l'autre côté. Après, c'est bien, vous voyez, je commence un peu à voir qu'est-ce qu'il faut. Là, par exemple, je me dis, ok, prochain live, si on va dans le Nether, il va falloir que je prenne l'acide toche, il va falloir que je prenne ça. Les champignons, ça peut être des. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, les champignons bleu clair, enfin les verts comme ça plutôt, ça permet de faire fuir les gros cochons du Nether. Je suis en train de chercher le nom de Peter, parce que je les appelle les piggies, c'est les. Oglin. C'est les Oglin. Par contre, je sais plus où je suis passé. Je suis passé un peu plus bas. Hop, 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 hop. J'ai pas perdu un demi-cœur aussi, hein. J'ai pas pris un dégât, je tiens à le faire remarquer. C'est assez insane. Ok, je suis passé par là. Très bien. Poum, poum, poum. Toujours pas mort. Et non. Toujours pas mort. Ah. Il va pas m'attaquer lui hein. Non j'ai de l'or sur moi. Par contre ah j'ai pas pensé à prendre l'or sur moi. Merde. Ça va peut-être être bien que je le ramène. Bon après est-ce que j'aurai vraiment des trucs intéressants. Je suis pas sûr. Et de ce côté là du coup c'est plutôt Crimson. Ouais c'est Crimson. Oh Crimson. J'aime pas Crimson. J'aime pas le Crimson. Pas spécialement fan de ce biome, y'a rien en plus ici, c'est honteux. Ouais, ouais, ouais. Bah, Nether, pas terrible, hein. Putain, pour le coup, vraiment pas terrible du tout. Ouais, ouais, ouais. Tu veux une médaille? Une médaille? Comment ça, une médaille? Ah, pour être pas mort? Pas besoin de médaille. Il y a une witch, what the fuck. Parce que la prédit c'était quoi? C'est mourir dans les deux premières heures? Ou c'était mourir durant le live? Ah, Luma de retour. Luma il veut pas s'approcher du Nether, hein. Genre vraiment le truc ils sont pas les steaks. Genre je rentre dans le Nether, ok, vas-y tout seul. Vas-y tout seul, pas de problème. Allez Luma rentre. Allez. C'est quoi ce bruit? Ah c'est les renards. Putain c'est vrai que dans Minecraft il y a un truc qui me fait grave flipper, c'est les bruits des renards. Quand t'entends le comme ça là, on dirait une espèce de mini ptérodactyle ou je sais pas quoi là. What the fuck, il y a un petit truc. J'ai perdu mon chat. Je sais pas où il est, bah tant pis je m'irai tout seul. J'ai dû squatter à la maison de quelqu'un d'autre. Ok, ouais, je regarde juste pour la prédit. C'était quoi la prédit? Moi je la vois pas moi de toute façon. Attendez, faut que je regarde ça sur le live. C'est chiant quand je peux pas faire ça directement depuis là. C'est un peu pénible ça. Attendez, couper l'audio. Sinon je m'entends en double. Est-ce que je peux voir la prédit au moins? Comment on voit la prédit? Comment que ça marche ça? Et je vois pas la prédit en fait. Je suis censé voir ça où? What is the fuck?
Je sais pas où c'est. Je vois pas où c'est. Bah de toute façon je le ferai au pire en Orcam si je leur vois le truc. Je demanderai à Poulpe qui valide le truc. Vous inquiétez donc pas. Ouais du coup dans le Nether je peux rien obtenir d'intéressant avec les piglins hein, si je leur échange. Je crois pas hein. Attendez je vais regarder vite fait sur le wiki ce qui a vraiment d'intérêt que j'échange. C'est wiki. Avec les piglins. Ça me fait rire parce que... Il y a son Zach qui appelle ça les piglins. Ça me fait rire à chaque fois que j'entends ça. Livre enchanté de sable des âmes, c'est nul. Potion de résistance au feu, ça peut être pas mal. Des underperles, ouais, c'est pas... En fait, il n'y a pas des trucs que j'ai besoin instantanément. Hein. Parce que le quartz, on s'en fout. L'obsidienne, ouais, non. Ficelle, bof. À la limite, il y a juste les perles, mais bon, vu que j'ai le truc à côté. En fait, les potions de fire essence. Les seuls trucs intéressants, c'est les potions de fire essence. Mais celui-là, c'est bon, ok. Là, c'est en vue modérateur. Ok, merci, Minor, pour l'info. Lignine égale en deux perles. Ouais, mais bon, de toute façon, je vais pas aller faire maintenant l'Under Dragon. Faut quand même que je me fasse un petit stuff, quand même. Quand même que je me fasse un petit stuff. Avec mon champ a grandi. Je vais peut-être récupérer ça. Peut-être que je mange aussi. Crotch, 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 crotch. Bravo à tous ceux qui ont eu confiance en Gold, c'était pas mon cas. Bah bravo. Non, en général, je fais quand même très attention quand je joue, hein, pour pas crever ou quoi. En général, ça va. Ah, t'es devenu MDR. Ça fait un peu spécial le choix des couleurs quand même. Je dis ça, mais hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, tous ceux qui ont pas cru en moi là, chais. Chais. Chais les gens, chais. Merde. J'ai pas de ou si j'ai ma ou. Chez bouclier à chaque fois. Voilà. Qu'y a-t-il donc, Luma? Ah, mais il est pas encore prêt, le champ à être récupéré là. Il y a que celui-là qui est prêt. Là, s'il y a celui-là aussi. C'est tout. What? Comment ça se fait qu'il est humide celui-là? 1, 2, 3. Ah non, ok, 4. Est-ce que je peux le faire aussi là? Ok, ok, hop. D'ailleurs, au niveau des mobs, vu que maintenant les torches éclairent plus loin, je sais pas si c'est le cas aussi pour les cultures. C'est une bonne question, ça. Je me suis pas renseigné sur ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu pourrais faire des fantômes pour avoir des chutes lentes dans le Nether et te bader plus facilement. Ah non mais je suis con, faut des blaze roads. Ouais, faut des blaze roads. Mais c'est vrai que l'idée est pas con hein. Clairement, clairement, clairement. Ça peut être pratique, même tu vois dans l'end ça peut être pas mal. Bon après c'est quand même plus classe qu'on fait des MLG mais c'est probable, c'est possible. Et effectivement, hop. Vous avez squatté devant chez moi pendant longtemps vous? Cassez-vous là. Cassez-vous, qu'est-ce qu'il est parti où mon chat encore là? Mon chat a disparu. Je ne sais pas où il est. Avec ce filon, ce filon incroyable hein, de 12 diamants. J'ai pas de flèche donc ça sert à rien que je garde ça. Ok, ma pelle qui est bientôt broken. Broken. You mon chat là. Qu'est-ce que tu fais là là? Qu'est-ce que tu fais? Pout 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 pout. Du coup j'ai plus de diamants là, on est d'accord. J'ai pas eu de CD non plus. Putain, j'aurais bien voulu mettre de la musique. Y'a un autre chat. Le bateau suffit pour le Nether. Ah bah oui, c'est vrai, y'a un bateau tout simplement. Et du coup, chez aussi à Redtox hein, qui avait pas mis... Faut éclairer les torches de resto de ces stones quand on n'a pas le charbon. C'est vrai. Maintenant c'est vrai que ça peut être utile ça. J'étais à 10k, j'étais à...
Ah oui, y'a la vache. Un bon stonks. Y'a ça qui a poussé aussi. Hop. Ça faut que je pense à le ramasser parce que c'est vrai que c'est pas forcément le truc que j'y pense. Hop, 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 hop. Touk. Touk, 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 touk. Touk, touk, touk. Fuck. Hop, hop, hop. Ouais, ça poussait tranquillement. On va pouvoir se faire une prochaine table d'enchant pendant que le chat se TP. What the fuck. Hop. Tape endroit qu'on pourrait faire là d'ailleurs aussi. Je vois qu'il y a de la place. Aussi, je pourrais mettre plutôt des coffres. Ça pourrait être pas mal. Ça me stresse là qu'il y a un bloc au moins. Mais sinon, ouais, quand même, bonne début de partie. À voir jusqu'où on pourra aller. C'est vrai que j'ai pas de vaches aussi. Il me faudra des vaches pour les reproduire pour avoir du cuir. C'est un truc que j'ai pas forcément pensé, ça. En hardcore, la classe passe après la sécurité. C'est vrai. Bientôt le selfie pour 25. Le mec. Je sais pas trop quoi faire là. Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire autre chose? Parce qu'après, de toute façon, le prochain live, on fera certainement exploration dans le Nether. Je sais pas quand sera le prochain live, du coup n'hésitez pas à rejoindre le Discord si cela vous intéresse, comme ça vous aurez les infos en temps voulu. Et puis sinon, de toute façon, on se retrouvera. C'est quand le prochain live déjà? Je crois mardi soir, il y a peut-être une possibilité que je live. Après par contre, ce sera peut-être pas forcément sur cette partie de Minecraft. Ah, le truc ne tient pas, super. Pousser la canne à pousser, mais voilà, il y aura peut-être ça. Et puis sinon, le prochain stream, je sais pas exactement quand ça sera, mais du coup, voilà un bon début de partie en 2 heures et quelques. On a réussi à bien évoluer dans cette petite aventure. Oh, regardez, il y a le petit renard là-bas, il est trop mignon. Dommage que j'ai pas Slime Ball, j'aurais bien aimé le catcher, capturer. Ça pourrait être sympatoche. Et puis après, on sert bien. Ah, il faut aussi que je récupère le brainstand là. Le brainstand là. Hop, salut à tous. Merci. Hop, comme ça, il est à moi. À moi. Champ de blé pour les vaches. Ouais, faudrait que je pense aussi du blé. Je vais peut-être faire ça. Avant de clôturer ce petit début de live en party. Ce serait bien. Merde. Là. Toum, 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 toum. Et là, je croise le creeper qui avait là tout à l'heure et boum. Il n'y a plus personne. C'est chiant vu qu'il y a de la neige partout. Les cochons, je vais laisser en vie, j'en ai pas spécifiquement besoin. Les ours polaires, on s'en fout. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blé ici avec ça. Hein. Surtout de graines. Ah, vous me direz, il y a le champ là-bas, l'autre fois là. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et merci Florian qui prend du coup un petit sub. Merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup Florian. Merci beaucoup. Tu m'attends une personne en or. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup. Hop, on va chercher vite fait. Tac, le petit blé qui est là, qui a poussé entre temps. Nice. Bon, tu me diras, je peux peut-être tout récupérer même. Comme ça, les patates, les carottes, à peu près, qu'on récupère tout. Nickel. Hop. On récupère ça aussi, si tu veux. Nice. Là, on a du blé. On a 2 blés, on pourra tirer des vaches. Et en produire 2 débuts. Salut Yuneko. J'ai toujours voulu me sub à toi. Bah, merci beaucoup. Ça se fait plaisir. J'espère que le contenu te plaira bien évidemment. Autant que. Je sais pas. J'ai pas confiance en toi. J'espère juste que ça plaira. Voilà. Point. C'est déjà pas mal. Alors Yuneko, tu n'as même pas attendu que je te tue. Quelle tristesse. Quelle tristitude. C'est vrai que je peux tenter aussi de faire un. Hop. Zut. Petit composteur là. Je mets ça. Là. Viens le chat. Oui, c'est exactement ce que je voulais faire en plus. Ah bah je peux pas encore dormir. Ah bah sinon je peux dormir. Non mais il faut que tu viennes sur moi là. Voilà. Donne-moi des trucs.
Bon, je suis. Je vais dire pas qu'il a préféré la tartelette. Bah bravo. Le Rabbi Height, j'en ai pas besoin. Bah bravo. Je ne te félicite pas. J'ai plus de fer. Ah, j'ai plus du tout de fer. Ah merde. Ah, ça c'est con. Je voulais récupérer des trucs en fait pour les foutre là-dedans. Ça, je pense que ça marche pas. Ah si, ça marche. Stonks. J'aurais fait de la bonne mine. Arrête de ronronner. Chut. Fait trop de bruit, Luma. Ouais. Bah, la prochaine fois, du coup. De toute façon, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fera une belle. Un beau petit début d'aventure. Donc, je vous rappelle, le prochain live, je sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Je sais que je stream mardi soir, mais je sais pas si ce sera sur Minecraft ou sur autre chose. Donc, restez connectés. Sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Discord pour avoir les news. Ou sinon, YouTube. De toute façon, vous aurez les news. Ou sur Twitch. Voilà, comme ça vous aurez aussi les news directement. Et voilà, à mercredi pour l'annonce de la prochaine légende et aussi de la date à laquelle la vidéo sortira. Et puis cette aventure, on essaiera de continuer tout le temps, au moins minimum un stream par semaine, ça me paraît pas mal, histoire d'avancer quand même globalement. Et puis voilà, tranquillou. Après, je sais pas si je jouerai un Orcam ou pas, je pense que ça peut être pas mal aussi des fois d'avancer un peu, mais j'ai pas envie de mourir alors que du coup vous l'avez pas vu, ça serait quand même un peu con. Bon, après je garderai un espèce de clip où je sais pas comment je me démerderai, mais ça peut être pas mal. Viens Luma, viens, rentre. Oh putain, c'est con ce jeu. Rentre. Ah bah il neige encore. Putain, décidément. Rentre là-dedans. Voilà. Reste dehors, toi. Miaou. Miaou. Ok. Et du coup, bah ouais, je pense. Attire-moi là. Je pense que du coup, on se retrouvera la prochaine fois. On essaiera d'avoir un peu plus de diamants. Finir peut-être la table d'enchant et puis aller explorer le Nether pour avoir les potions de soins. Je pense que ça pourrait être pas mal. Nether ou minage, voilà, tout simplement. Pour se faire un petit full staff diams. Bref, moi je vais vous laisser là, je vais retourner un petit peu sur du montage pour que je puisse avoir ma soirée de libre. Et on se retrouve du coup une prochaine fois avec très grand plaisir pour la suite de cette aventure insane où j'ai pris actuellement encore aucun dégât. Hein. Je préfère encore le souligner parce que c'est assez insane. Hop, avec ces 2 heures et du cake. J'ai quand même buté des mobs, donc j'ai quand même pris des risques et tout. Je suis là en caverne, donc je trouve que c'est pas trop mal. J'ai même exploré un mineshaft. Incroyable. D'ailleurs, je vais voir, attendez, je vais peut-être vous raid chez quelqu'un, vite fait, s'il y a quelqu'un à raid, là. S'il y a quelqu'un à raid. C'est quelqu'un qui fait du Minecraft aussi, parce que je vois qu'il y a... Il y a... Ah si, il y a Matox, il fait du Minecraft. Parce que les autres ne font pas de Minecraft, ceux à qui je suis abonné actuellement. Tristesse. Hop, je vais chez Matox, il fait du speedrun. Du speedrunning, je sais plus quoi, là. Elytra. Incroyable. Matou. Hop, lancer le raid. Look. Merci à tous ceux qui ont vu. Merci à tous ceux aussi qui ont sub. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve la prochaine fois avec grand plaisir dans une nouvelle aventure. Enfin, dans la suite de cette aventure. Allez, tchou tchou tchou, bisous. Y a-t-il une bonne faille pendant qu'on s'envole vers d'autres cieux ?